d'être là, Montréal. Merci d'être là, Club Soda. On est très, 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 très heureux. Ça fait 3 ans qu'on fait Couple Ouvert. Yes! Exactement. C'était un projet juste pour survivre à la pandémie. C'était un projet pour se désennuyer. Ouais, nous, on était sûr qu'on allait finir parce qu'on est vaccinés. Puis on a lu que le vaccin allait tuer du monde. Ouais. Puis ben non. Finalement, c'était notre... On a eu un crowd d'antivax. On avait une crowd. Oui, félicitations, mon amour. 3 ans de Couple Ouvert. Aujourd'hui, j'ai dit, tu sais, ça serait le fun de le dire au monde. Ça fait 3 ans, presque exactement, en fait, en plus, ce soir. Puis, on était en char, fait que bien sûr, j'étais déjà on the edge. on a failli pas avoir un accident. Oui, plusieurs fois aujourd'hui. Juste une. Laquelle? OK, toi, tu, ben, c'est laquelle, tu penses? Le meilleur bout, c'est quand j'étais stressé de venir ici parce que j'avais hâte de vous voir. Puis, j'ai coupé quelqu'un. C'était pas mon tour. Puis, Steph a dit, c'était pas ton tour. J'ai répondu, je le sais. Mais je sentais que j'avais plus besoin qu'elle. Oui. Oui. Et tout de suite après, il y a quelqu'un devant nous qui a brûlé une rouge. Ouais. Puis il était comme, gars! C'est lui qui a le droit. Oui, c'est ça. Faudrait m'acheter une BM, comme ça les gens s'attendraient à ce que je chauffe mal. C'est mon problème. Aïe, aïe, man. Mais j'aimerais ça que tu rentres. Après tes shows, tu sais. Pas toujours, mon amour. Des fois, je rentre puis t'es pas contente que je sois rentrée. Non, mais je te dis pas, genre, tu peux rentrer tard puis ça va regardant sur l'heure, mais maintenant, il faut que tu rentres, tu sais. C'est quoi le plus court laps de temps entre toi qui se masturbe puis moi qui rentre d'un show? Ah, oh, c'est une bonne question. Ben, des fois, t'es déjà revenu. Tu vas dans ton petit bureau, faire du petit montage, puis moi, je suis comme « Yes, sir! » Qu'est-ce que tu regardes ces temps-ci? Pas grand-chose. Non, je suis déçue. Je trouve ça trop long, chercher, là. Je sais plus quoi. Qu'est-ce que tu marques? Pour vrai, j'y vais plus. J'essaie de penser à des affaires, mais là, je trouve ça tough, tu sais. Comme dans ma tête, ça spinne. Puis là, je suis comme « Ah! » Puis là, je pense à quelque chose, mais là, ma tête, elle va ailleurs. Puis là, je stresse pour des affaires. Ah non, je trouve ça compliqué, là. Tu penses à quoi? Je devrais me faire un petit scrapbooking. Oui, je sais. De mon best-of, là, je sais. À garder dans la table de chevet. Ah, je sais pas, hein. Je trouve ça tough, là, trouver du bon stock. Mais généralement, qu'est-ce que tu regardes? Pour vrai, ces temps-ci, plus rien, c'est ça. J'essaie de penser à des affaires. Puis là, quand les scénarios auxquels je pense sont trop ennuyants, parce qu'ils sont fucking ennuyants, là, j'ai pas d'imagination, j'essaie de penser en close-up. Je vais juste me dire, ah oui, pénis bandé. Puis là, mais c'est les pires stations de masturbation, mon amour. Je sais. C'est pas bon. C'est tough. Faut t'avouer que c'est tough. Faut t'avouer que c'est pas facile. Hey, gars, c'est pas grave, là. Je vais bien quand même. Mais tu fais-tu ça a cappella, généralement? A cappella. A cappella, c'est dire. A cappella, pour moi, c'est. Fa-du-di-du-di-du, tweet-di-di-du-di-du. Fa-du-di-du-di. Oui, Lily. OK. Est-ce que tes parents t'ont déjà pogné? Ah, ouais. Ma grand-mère m'a déjà pogné. Mais Non, mais j'étais enfant. Je me faisais garder par ma grand-mère. Puis je me mettais à plat sur le divan. Puis là, mes jambes devenaient raides, 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 raides. Qu'est-ce qu'elle disait? Ben, t'es venue à côté de moi, puis t'es comme, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme, je regarde la télé. Tu te masturbais devant la facture. Ou besoin besoin de soleil, s'il te plaît? Ils font un travail important, la facture. Mais oui, mais oui. Il y a besoin de soleil, il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil. Mais ça, c'était le matin, là, donne-nous une chance, là. C'est bon, se masturber le matin. J'étais pas genre, rise and shine! Ça fait 3 ans. Oui. Puis je voulais pas le célébrer. Et tu voulais pas célébrer. Si on était en voiture, puis je disais, hey, ce serait le fun de dire au monde, ça fait 3 ans. Tu sais, c'est juste comme, c'est le fun à souligner, puis le monde va être content, tu sais, puis c'est agréable. Puis il était comme,
dis-moi, je vis pas dans la nostalgie. Puis après ça, il a enchaîné avec la phrase suivante, on fait pas de la télévision. Mais c'est juste ça, la télé. Tu sais, quand on était jeune puis créatif, vous vous en souvenez? Hein? Hein? Hey, moi, je suis contente que nos petits programmes qu'on aimait reviennent, OK? Comme? Bookdog Bazar? Tu vois, t'es rentré dans mon bureau toute nue. Ça, j'étais content. Puis t'as chialé sur Bookdog Bazar. Puis t'es parti. C'est vrai, je m'en souviens. Ouais. Non, c'est parce que ça faisait... Mais quand t'es prémenstrué, tout va bien. Quand je suis... Ah, j'étais prémenstruée. Je pense. Ouais, non, je sais. Là. Depuis que je prends plus la pilule, les BSPM sont comme « yes, sir ». Des fois, je suis comme « pourquoi je pleure à cause que genre Bulldog Bazar, c'était mauvais? » 20 ans plus tard. C'est difficile à gérer ça, parfois. Ça vient d'ici. Oui, ça vient d'ici. Ben non, je sais. J'aimais pas ça, Bulldog Bazar. Mais c'est pas grave, là, les artisans sont bons puis tout. Je veux pas dire ça. Parfait. Pourquoi tu m'amènes là? Je sais pas, mon amour. Bon, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Moi, je t'ai dit, des fois, les gens, ils aiment ça avoir du fun puis célébrer des affaires simples, ouais. Comme un anniversaire, ça leur fait du bien. Mm-hmm. Puis là, toi, t'es vraiment pas là-dedans. Non. T'es tout le temps comme, ah non, on devrait jamais être satisfait, machin, puis tout. Puis j'étais comme, tu sais, ça nous permet de se rassembler autour d'un élément commun puis de célébrer quelque chose, puis tout. Puis là, j'ai fait une petite pause, puis après ça, je me suis dit, en même temps, qu'est-ce que je peux attendre d'un gars qui sait même pas où sa mère est enterrée? Je ne sais pas. I'm J'sais pas telling où, you. Mais j'ai pas de problème avec ça, pas non, en tout. Mais il vit super bien avec ça. Aucun. Un moment donné, j'étais comme, tu sais, parce que tu sais, je vois bien que c'est un peu difficile. C'est t'sais. Difficile. Fait que, un moment donné, j'étais comme, tu sais, ça serait le fun que peut-être, mettons, pour son anniversaire, on aille la visiter, puis on peut aller avec. Oui, mais Chris de Steve! Il y a tellement d'amis qu'on voit pas, puis on irait voir la bonne femme morte. Oui! Le monde, ils font on ça. On n'a jamais soupé avec Arnaud. On soupe jamais avec Arnaud. Philippe Audrey, la seule fois que je le vois, il est en soupe et il me crie après dans un studio. Là, j'irais voir la tombe de « On dit que la bonne femme est là ». Peut-être qu'ils ont inventé. T'as juste puis peur, ma psy t'as m'a juste dit « Faut pas que je célèbre sa mort, il faut que je célèbre sa vie ». Ben, c'est ça, je veux dire, là, on va pas célébrer l'anniversaire de sa mort. Mettons qu'on célèbre sa vie, mais on peut aller quand même se recueillir près de sa dépouille. C'est ça le principe d'enterrer quelqu'un, est-ce-t-il? Okay. Ah. C'est ça le principe. Okay. Ou sinon, tu l'as. Je sais pas ce que vous avez fait avec, si vous l'avez jeté dans le Saint-Laurent, on va sur le bord de l'eau, puis on fait comme ah. Voici ce que je propose. On trouve sa tombe. Oui. On la déterre. Oui. On la réenterre dans le cours. Ah, bonne idée. Si on le fait. Ou on la met dans le studio. Oui. Hein? Comme la mère dans Psycho. Pareil. Psychose. Ouais. Puis là, on invite du monde au studio, puis on moi, fait « Ah, monde ah vous pensiez que Philippe Audrey était là? » Ben oui, il est dans le coin, allez le voir. Puis là, gros mot. J'aime ça. Parfait, c'est réglé. Mon amour, gros show ce soir. Gros show. Ouais. Gros show. Gros show. On a plein de dates. On a des dates dégoûtantes. Ah ouais. Dégoûtantes. Sérieux, là. Non, mais... Les pires. We need to talk, là. Non, 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 continuez. Non, attends, continuez. C'est quoi vos hosties de vie, sérieux? Ouais. Ouais, gardez ça pour vous, Chris, ouais. Mais ceci dit, les meilleures personnes, c'est quand on se réveille le matin, puis dans les DM, les gens nous ont DM, qu'est-ce qu'ils venaient juste de vivre. Puis ouais. À chaque fois, je suis comme, s'il te plaît, envoie-le sur le courriel, sinon je vais l'oublier, mais merci de penser à nous autres dès que vous sortez du bar ou de l'appart miteux. C'est merci, on se sent privilégié. On le sait que vous êtes sous quand vous répondez. Il y a beaucoup de puis là, puis là. Puis là, il a pris une poutine. Puis là, elle était froide. Puis là, le gars, il avait de quoi sur le bord de la bouche. Puis là, juste que... Puis là, dis à Thomas que je l'aime vraiment beaucoup. Puis que... Ouais. Non, il y a beaucoup de... Thomas, toi, tu penses... Toi, tu vas me juger, là. Mais ferme ta gueule, des fois. Comme, quoi? C'est ce qui se passe. OK? C'est sûr que si le tiers du courriel, c'est à quel point tu m'haïs, je le lirai pas, là. C'est peut-être un petit peu l'amour propre, là. Ah! Si il fallait qu'on dise. On voulait que l'épisode soit commandité par nos propres spectacles. Ah, ouais! Ouais, OK. Hey, ça fait 3 ans qu'on fait ça, on est rendu des professionnels. OK, l'épisode est présenté par nous en spectacle. On est à la salle Albert Rousseau au mois de janvier. Oui. Venez nous voir à la salle Albert Rousseau. On est à Gatineau, hein? Novembre, c'est le mois de ma fête. J'haïs ma fête. Fait que, mets du bonheur dans ma vie. Est-ce que c'est en lien avec la mort de ma mère est morte la journée où j'étais censé naître. Ouais. Puis mon père arrêtait pas de me le répéter. Puis j'étais, j'ai 9 ans, calice. Change de discours. Ouais. Tu vois, ça fait que c'est ça, le 2 novembre. Ça va être meilleur que ça. Ça va être meilleur. On va parler d'autre chose que de la mort.
Ah, oh, tu sais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui aussi? J'ai acheté le coupleouvertmerch.com. Puis là, vous pouvez aller acheter vos chandails le meilleurs. Com, C-O-M ou C-U-M? C-O-M, Tom, je sais même pas. J'ai acheté .ca aussi. Notre mère patrie. Notre mère patrie. Parlant de notre mère patrie, recevons nos invités, mon amour. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit, Bric et Brac. Oh, wow! Bonjour, messieurs! Et aïe, aïe, non! Ça fait du bien d'être en maison, au bout de bite! Ben oui, parce que vous étiez occupé parce que depuis que vous êtes venu ici, à la Saint-Jean-Baptiste... Oui, oui! Vous avez fait un spectacle marathon, qu'on pourrait oui, dire. Oui, vous oui, avez passé oui. combien d'heures ici, en fait, au total? Combien d'heures? Combien ouais. d'heures? Deux. Mais non, plus que ça fait 3 heures du matin. Je pensais que c'était toute la nuit, votre affaire. Oui, 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 mais tu sais, à partir de 11h30, nous, on travaillait plus, on buvait. OK. C'est pas ça, oui. C'était nos amis DJ, là, les Cowboys fringués, qui ont fait la musique jusqu'à 3 heures. Mais tous donc... les gens qui étaient à votre spectacle, oui. à qui j'ai parlé, oui. étaient sur le moche. Oui. C'est peut-être l'endroit... Ben, c'est la Saint-Jean, hein? Vous avez le record Guinness de plus de gens réunis sur le moche. Moi, il y a quelqu'un qui plus me dit... Plus que vous, c'était Gambos. Il y a un ami qui me dit que c'est le bicoline de la souveraineté. Tout le monde était dans le même vibe. Oh, oui. C'était malade. Par applaudissement, y a-tu du monde qui était là? Ouais. Yeah! Yes, sir! Ils ont chier fait du sang! Chier du sang! Chier! Vous pouvez pas comprendre. Oh, c'était un inside? Ouais, on va pas tout expliquer. Ouais, là. Non. Je comprends. Donc, cette soirée-là, le Club Soda est devenu un pays souverain. Oui, madame. Oui, oui, ouais, c'est simple. En fait, c'était, on organisait un référendum le 23 oui. juin. Puis, comme c'est compliqué de faire toute la province au complet, on a décidé d'y aller une bâtisse à la fois. Puis, ouais. Le monde a dit oui pour le Club Soda. Oh. On disait si Ville-Saint-Laurent est une ville dans une ville, Club Soda peut être un pays dans un pays. Wow! J'aime ça. C'est sûr. Mais vous vous sentez pas un peu comme le gars qui essayait de se partir un pays à l'île d'Anticosti puis de dire qu'il était la propre police à cette place-là? Il y a un gars qui avait ça. Qui ça? Ouais. Qui ça? Vous avez pas vu ça? Non. Il était sur TikTok, notamment, je oui, pense. Oui, évidemment, il était sur TikTok. Oui, il était sur TikTok. Beaucoup de live. Beaucoup, il était souvent live. Il était souvent live. Oui, c'est okay. ça. OK. Ça a-tu marché? Après ça, si tu prends tes pilules, le TikTok live, il marche pas. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Si tu prends tes médicaments que le médecin te dit. Le TikTok live, il marche pas. Le live, non, 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 non. Ouais, c'est ça. Ce gars-là, il voulait créer son propre territoire en disant que le domaine public, il pouvait se l'approprier puis imposer ses propres lois. C'est un peu ça qui s'est passé ici aussi. Bon, on avait essayé un année au Parc Laurier. Oui. Oh, oui, oh, oui. Tu te souviens, on avait mis toutes nos canettes en rond. Là, là. C'est notre territoire. Oh, oui, mais on est arrivé à bout de bien vite de nos vivres. Là. On avait deux babybelles. Fait qu'on a fait comme, bah, fatigué, fatigué. Il va falloir traverser la frontière. Là. Wow. Fait que c'est quoi les étapes, finalement, pour partir un pays? T'sais? Parce que là, vous le savez, vous l'avez fait. Là. Faut que le monde se dise oui. Oui, c'est ça, exactement. Non. Au départ, quand on baise, on est-tu un pays? Hein? Quand on baise, on est-tu un pays? Quand on baise, parce on est-tu un pays? Parce que ça dit beaucoup oui. Oui, oui. J'imagine que c'est un petit pays qui se crée. Là, ouais. Ouais, petit pays. Là, tu sais, dans le début d'Amélie Poulain, là, tout le monde qui baise, c'est tous des petits pays à Paris. Pays. Là, tout le monde s'allume une clope. Votre enfant, c'est un pays. Hein? Ah! Je suis content. Petit pays à lui. Mais pour répondre à ta question, ça prend premièrement un rêve. Ouais. Qui rêve ici? Il n'y a rien que lui qui... OK, ben oui. Oui. OK, après ça... après ça, ça prend de l'argent, là. Ça prend de l'argent. Non, ça prend un rêve, ensuite, ouais. ça prend de l'argent, ouais. une armée. Exactement. Moi, l'armée, je m'en occupe. Je suis prêt à faire l'armée, moi. Je suis prêt à être caporal. Toi, ça, ouais. oui. T'as le casting oui. en esti. Ouais. Je suivrai jusqu'au bout du monde. T'as l'air d'un gars dans Full Metal Jacket. Oui, ton cheval. Ben oui, oui, t'as fait ça, toi. Oui. Petit cheval. Il a été allergique pendant 3 semaines après. Ouais. Trois semaines. Tu peux être allergique oui. pendant 3 semaines? Oui, parce que j'ai embrassé le cheval. Oui. Ben, c'est ça. Ça, c'est bizarre, oui. tu vois. Je sais pas. Oui. Je sais pas si j'étais allergique ou il était juste sale. Je sais pas si... Non, parce que je l'aimais. Je voulais montrer que je l'aimais. Je l'ai embrassé. Oui. Pour aimer ça.
J'ai fait bon. Toi, t'as-tu aimé ça? J'adorais ça. Ouais. Le meilleur bout du cheval, c'est le bout que je l'embrassais. Le bouche? Cheval, ouais, le cheval n'a pas. Pas la bouche, pas la bouche. Le cou fort du cheval. Son cou fort. Son cou, puis le cheveu du cheval. Parfait. Le cheveu sale, j'ai embrassé. Il éternuait tellement fort pendant ces trois semaines-là que dans le char, il y a encore des éclats. On dirait du sperme dans le char. Dont un long de même, si je joke pas, long de même. C'est impressionnant quand même. L'éclat d'Achou qui était long de même? Hey, à date, c'est mon bout de trèfle. Je sais pas comment on va topper ça. Tout ça pour vendre pour faire la promotion d'une soirée d'humour à Gatineau. Ah ouais, OK, c'est ça. On voit le lien. Ben non, mais ça Gatineau, c'est la place où il y a un gars qui a inventé une fille, ça? Une quoi? Non, c'est pas la même place. C'est bon. Qui a inventé quoi? Une fille. Sonia Bélanger. Ah! Une femme. Une femme. Une femme artiste. Tant qu'à inventer. Parlant d'une femme artiste. C'est quelqu'un qui mange du popcorn, non? Ah, non. Ben oui. Ben voyons donc, pas encore ce style-là. Maudite gang de cochons. Eh oui. Je vais juste voir de la nudité partielle de dos. Mais tabarnak. Bon, il est arrivé avec ses sacs de vidange. Ouais, ouais, non. Il est de retour. Salut. Salut, Cédric. Mais c'est qui? C'est qui déjà? C'est qui? Ouais. C'est Cédric. C'est Cédric. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre peintre maison. Ouais, l'artiste à peintre le plus vu au Québec. Ouais. Peux-tu le content, là, je sais pas si tu peux le dire, mais vous avez une histoire, vous, toi et Cédric. Qu'est-ce qui s'est passé pendant avant un match d'impro le matin, un moment donné? Bon, ça, c'est toujours pas réglé ce soir-là, là, ça s'en va en cours. Parce qu'à l'époque, Cédric et moi, on faisait de l'impro au cégep. Fait que trois semaines. Ouais. Comme bien du monde. Et puis, avant un match matin, là, à 9h, t'es lendemain de veille, t'as brossé jusqu'à 3h du matin, à 9h, tu t'en vas faire un match d'impro. 5 minutes avant le match, moi, évidemment, j'étais en train de chier ma vie dans les toilettes. Puis Cédric, pour me faire rire, a eu la bonne idée de me lancer un 2 litres de Pepsi ouvert sur la tête. Fait que là, j'avais les cuisses saucées brun Pepsi, le cul brun marde, puis m'en allais faire de l'impro dans 5 minutes. J'ai jamais été aussi collant sur une mix. Bravo. Merci, les applaudissements. Merci. Ouais. Alex Coulombe en personne, PDG Pepsi Québec. Les gars, est-ce que vous avez déjà fait l'amour à une fédéraliste? Hey boy, c'est rare que je demande avant. Souvent, c'est pendant. Hein? Ouais. Mais moi, j'ai déjà fait l'amour, puis c'est viré rouge. Ah! Ouais. Ma seule date Tinder à vie, en fait, j'ai eu une seule date Tinder. Et ça a quand même bien été. Vous êtes allé où? Et là, on est allé dans un izakaya. On a bu une bonne bouteille de vin. Après, on est allé dans un bar tout à côté, puis on s'est pris une petite pinte, puis là, on a commencé à s'embrasser. Fait qu'on s'est dit, hey, on va-tu à la maison? Là, on est allé à la maison. La tienne ou la sienne? Oups. Comment? C'est correct? On est allé à ma maison. Parfait. Et là, je peux pas croire. Ah oui, tu peux. OK. Et là, tu sais, moi, je suis quand même un gars un petit peu romantique, là. Fait que j'ai allumé des chandelles, puis tout, là. Mais non, t'as pas allumé des chandelles. Oui, j'avais lavé mes draps, crissement romantique. Quand tu dis des chandelles, c'est 3 ou 12? Ah non, c'était une chandelle, là. Ah ouais, OK. Mais une bonne, là, une grosse chandelle. Okay, un gros cierge d'église. Celle à 3,25 au Dolorama. Et tabarnak, tu niaises pas, mon assis. Oh, oui. Puis là, on a commencé à faire l'amour. Puis là, à un moment donné, j'étais par-dessus. Ben, c'était sportif. Ben, c'est comme ça qu'on fait ça. Là. J'ai jamais fait ça. C'est un missionnaire. Oui, c'est ça, exact, mais missionnaire sportif. Là. Quoi? Montre-nous donc, là. Tu n'apprends pas le même. Veux-tu me coucher sur la table? Montre-nous. Missionnaire sportif. Missionnaire sportif. C'est bon. Oh, mon Dieu. Fait que là, oui, c'est ça. Ah, j'étais excité. Parfait. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Chaise, ouais, ça fait très première date. Attention, ma bien. C'est ça. Fait que là, j'étais comme ça. C'était sportif, là. Sportif. Ça va-tu? OK, vas-y.
Wow! Puis là, j'étais comme ça. Sur ouais. ses seins! Puis là, elle a mis sa, non, sa main était là. Okay. Ouais. Puis là, elle a dit « Aïe aïe, aïe aïe, ça brûle! » OK. Puis là, j'étais comme « Ben voyons, j'ai pas le pénis si chaud! » Puis là, finalement, à l'époque, j'avais les cheveux super longs. Ouais. Fait que je me suis penché pour regarder et ma tête a pris en feu. Ah! Wow! Wow! Bravo! 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 Oh my God! Wow! Ouais, ça pue, ça? Des cheveux qui brûlent, ça pue? Oui, ça pue. Ça pue, hein? Oui, 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 ça pue. Wow! Oui, ça pue. Tu as déjà brûlé tes cheveux? Non, mais j'ai déjà... J'étais un moment donné, le bar, le Billy Coon, ouais, au coin de Saint-Denis, puis je me souviens plus quoi. Puis j'avais une amie avec une immense tignasse bouclée. Puis il y avait des petites chandelles allumées sur les tables. Puis nous, on était à l'avant du bar. Elle était complètement en arrière. Puis un moment donné, l'odeur nous frappe. Puis on fait, voyons, tabarnak, il y a quelqu'un qui c'est sûr qui s'est brûlé les cheveux. Puis on dit, ah, c'est sûr, c'est Mathilde. Puis on se retourne, puis elle est comme, ah! C'est le genre à Mathilde de brûler en public. C'est le genre à Mathilde, puis c'était génial. Elle, exactement. Mais oui, ça sent le... Toi, t'as déjà fait l'amour à une fédéraliste? J'ai déjà fait l'amour. Oui. Je viens de le faire là, Thomas. T'es transformé! Ceci dit, là, ça m'aurait pris un coordonnateur d'intimité, mais je me suis pas senti respecté là-dedans. Là, on n'avait pas dit qu'on allait me prendre un sein. C'est la première fois par un autre homme. Ouais. Mais l'UDA est pas dans ce show-là. Là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Là. J'aurais pas de crédit UDA pour ça. Non, non, bon, non, encore baisé pour rien. On parle souvent des travailleurs du sexe, mais très peu des bénévoles du sexe. Il n'y a personne qui nous représente. Ouais. Jamais payé pour faire l'amour. C'est toujours gratuit, il y a de l'argent qui se perd. Un jour, on m'a monétisé ça, là. Ce beau pénis-là. Est-ce que tu te souviens de ta première pipe? Ma première quoi? Ta première fellation? Ma première fellation. Si je m'en souviens. C'était-tu bon? Oh oui, c'était super, dans les règles de l'art. T'étais pas gêné? Je suis terrible, mais tu le sais, moi, à quel point je suis timide. Oh, je riais tout du long, je n'osais pas regarder. Tu riais? Oh, ben oui, je riais. Ah, ouais. Riais? Ben, moi, je suis un grand rieur. Je fais des jokes quand je baise. Je commence tout le temps en disant « EA Sports, it's in the game! » Là, après ça, quand je me fais sucer, je suis le temps comme « Sinon, toi, à part de ça, on essaie d'affaire du smart talk. » Je suis comme « Eh oui. » Comme, moi, t'as-tu vu ça, les toilettes mixtes, ça n'a pas d'allure? Comme, je suis occupé. Dans mes premières pipes, j'ai déjà dit à une fille, tu fais bien ça, lâche pas. Oh! Non. Et ironiquement, elle a lâché. Tu me dis ça encore? Tu dis ça? Il dit ça? Attends. Je pensais que j'étais spécial. Mais t'aimes-tu ça quand je dis ça? Non, mais tu me donnes souvent des... Des ordres? J'allais pas dire. Moi, ça m'excite, des ordres. C'est pas là que j'allais, mais c'est plus que tu donnes souvent, comme on dirait, un peu des notes après. Ah ouais. Ben voyons donc. Ouais, comme à l'école de théâtre. Mais c'est tout le temps super gentil. Des notes avant réforme ou après réforme? Ah oui, c'est un 5 ou un 5 plus? C'est un A ou bien c'est un 98? C'est une compétence transversale. Je pense que c'est après, il est très généreux dans ses notes. Mais c'est tout le temps un... Tout de suite après, comme, on a fait l'amour, puis j'ai vraiment aimé ça. Dead serious. Non, mais là, mettons, je me lève pour aller aux toilettes, puis il est comme, c'est vraiment beau, t'as vraiment des belles fesses, mon amour. Puis tu sais, c'est vraiment juste gentil, mais c'est très, en même temps, c'est très, on dirait, très codé. On va le dire, après être le 5 minutes après que je sois venu, je deviens particulièrement autiste. Oui, c'est ça. Mais particulièrement. Les phrases sont plus autistes, mais là, genre Rain Man, autiste, là. C'est vraiment. C'est comme des écouteurs sur la tête, tu te mets à brasser une main. Sors des cartes. C'était vraiment bon. Sors des cartes, jette le paquet à terre. Tu fais rien que dire des noms premiers. Ouais. Tu lis le bizarre incident du chien pendant la nuit. Je sais pas pourquoi t'as pas fait l'amour. Après, c'est le fun. C'est tout le temps tellement juste comme. OK, puis là, est-ce que c'est toi qui vas prendre la douche ou c'est moi? Il faut s'en aller bientôt. Il faut que quelqu'un y aille en premier. OK? Vous prenez jamais votre douche à deux? On haït ça. Ah ouais, pourquoi? On haït ça ou t'haïs ça? J'haïs ça aussi. Je trouve qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a froid. Ouais. Ah ouais. Vous trouvez pas? Oui, je suis d'accord. Vous êtes fan de douche à deux?
Ah, juste les grandes douches. OK, c'est ça. Oh, on n'a pas ça, nous, la douche dans le bain. Les ouais, douches d'hôtel. Moi, c'est parce que chez nous, dans la douche, il y a une chaise. Il y a une chaise? Ouais. Je suis super fatigué, moi, quand je prends ma douche. C'est le matin? C'est le matin ou tard le soir, j'aime ça. Ouais. Je me lave super lentement de même. Ça souvent, ressemble toujours à un appel à l'aide. Là. Ben non, voyons donc. Je suis sûr que je suis pas tout seul à faire ça. Hein? Non, encouragez-le pas, s'il vous plaît. Là. Non, mais à un moment donné, mon rêve, c'était... je l'ai fait pour de vrai. Là. J'avais vraiment mis une chaise dans la douche puis j'avais mis un livre dans un sac Ziploc. Hein? Mais... un amant de la littérature. Harry Potter 4. Oh. Puis j'étais juste pas capable de tourner les pages. Fait que ça... oh. Cédric, qu'est-ce que tu peins? Je m'excuse les gars, mais ça paraît qu'eux, ils font de l'argent. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Avez-vous vu toutes les couleurs? Ah, barnac, c'est vrai! Ben non! J'ai jamais peint avec autant de couleurs. Ouais, mais... Ouais, c'est quoi, tu veux nous humilier, là? Mais non, c'est pas de l'humiliation, là. Habitue-toi pas à ça. Ils ont commencé à me payer récemment en carte cadeau de chez Subway. Oh! Ouais. Ah, mais c'est t'as gagné, dans le fond, là. Ben oui, tout t'as va gagné. Bien. Non, la madame au maire de Serre était bien confuse aujourd'hui. Elle nous a haï. Elle nous a haï, oui, parce qu'on voulait, on lui a dit, on veut toutes les plus grosses affaires, mais le plus cheap possible. Puis elle était comme, c'est quoi votre projet, tu sais, c'était... On a dit un podcast. Non, un on pays. A dit ouais. Un pays. Un pays, bon! Oui. Gros pis cheap! Yes. Hey, madame, messieurs, voulez-vous un shot? Oui. Un shot? Okay. Oui. Là, je sais pas comment on va faire ça. S'il te plaît, quelqu'un va au bar, commande 5 shots sur mon bill, ben non. Monte avec les shots. Whisky. Non, 6 shots, parce qu'on est 5. Whisky. Oui, il va en prendre avec nous autres. Si quelqu'un veut prendre un shot avec nous autres, va au bar, prends 6 shots, monte sur scène, on va le boire avec toi. S'il te plaît, fais-le. Sinon, dans 10 minutes, il n'y a pas de shot, on va trouver une autre manière. Puis voilà. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas tous aller au bar. Oh yeah! Il est parti! Il y a quelqu'un qui est parti! Oui, il est parti! On l'encourage! Oui! Yes! Je me sens comme à The Price is Right. Ouais. Merci. Boire au peuple! Un shot de whisky. Quoi? Ah. Whisky! C'est pas toi qui y va. Pourquoi merci, pas, papa. Pas de Jägermeister. Oui, t'étais malade. Ah oui! J'ai rendu malade, Steph, à la cage au sport. Oui. Ben voyons donc. Ouais. Après un bloc d'oignon. Un quoi? Un bloc d'oignon. Non, c'était un grand chelem. C'est le grand chelem. Je peux pas. L'hostie de grand chelem. Il y a un gars qui sait en crise, man. Le grand chelem, c'est rough. Tu peux t'expliquer c'est quoi le grand chelem? OK. C'est la meilleure affaire. C'est plein de nacho. Ouais. Du poulet. De la crème sûre, de la sauce à ribs, puis du fromage. Des fritos. Puis des fritos. Puis de la crème sûre. Puis ils font, attention, une tour. Ouais. Mais non. Avec ça. Puis ça paraît que la personne qui a fait ça n'a jamais vu une game de baseball parce qu'il n'y a pas ça au baseball. Là. Une grosse tour. J'attends. Moi, j'attaque la cage. Ta critique de ce plat, c'est son nom. Ouais. Moi, ça serait genre les ingrédients. Genre. Ah. Sérieux? Non, mais genre, j'aime la cage, là, on en a parlé assez souvent, mais ça, je peux pas, c'est trop, mon cœur peut pas le prendre. T'as été malade? J'ai été très malade. Pas j'ai moi. Été très malade. Oui, non, je sais, toi, ça te rend direct dans les veines, si tu aimes ça, là. C'est quoi, donc, des fritos? Ben, tu sais, les fritos, là, le truc qu'on... C'est comme des chips, un peu comme des nachos, mais en forme de... Il y a une mouche, je vais pas faire mal, là. Je vais pas t'attaquer, là. Pognez-la! Mais c'est une mouche québécoise, faut pas la tuer, est-ce? Non. Mais là, je veux juste vous dire que vous avez dit, ben c'est des fritos comme si c'était une évidence, là, mais... Ben, vous savez, mais non, on sait pas c'est quoi, nous autres, des fritos. Okay, mais c'est comme, ça a un peu la texture d'une chip de nachos, mais c'est en forme de rectangle. Non, c'est pas ça. Ben, tu sais, je veux dire, non. Je pense que t'inventes, mon amour, je pense des que t'es... Ça a, ça a un peu la même texture qu'une chip de nachos. Chérie, le podcast allait bien, jusqu'à temps qu'on décrit ouais, le ça chaud pendant 10 minutes. Non, ça vous dit rien pantoute, mais c'est pas grave, là, c'est pas... Ouais, je veux même pas en parler. J'aime la seule fois que j'ai vu un des deux gars à l'extérieur du podcast, c'était à cage au sport. Oui! J'ai allé souper, vous êtes allés souper ensemble à cage. On est allé voir le basketball. Ouais. T'as-tu été malade? Non, j'ai pas été malade, non. Parfait. Non. Mais je suis pas retourné à cage de plus. Il essaie de revenir avec les chats! Oh, mon yes! Wow! Vas-y, mon amour! Oh, wow. Attention, là, attention! On l'applaudit! Aïe. Wow. Merci! Ton prénom? Isa. Allô, Isa! Woo! Merci! Il y en a un pour toi, c'est pour ça, 6. Génial. Il me semble qu'au départ, c'était un gars qui était... Oh, le dos! Oh, non! Le dos! Oh, mon Dieu! Hey! Salut, ça vient? Hey! Oh, non! Oh.
Oh non! C'est quoi ça? Aïe aïe. Oh non! Ça, c'est quoi ça? Oui, le père traîneur! Le père traîneur, Cédric. Cédric en a un aussi. Tabarnak! Mon mois sans alcool. Brisez pas les caméras, ça serait génial. Oh, oui. Ouais. J'ai toujours voulu marcher. Ben, messieurs, dames, on fait un shot comme ça. Oh, okay. Mon Dieu. Okay. Pourquoi tu t'en vas? Tout le monde peut prendre une gorgée de son breuvage préféré. OK, 1, 2, 3, prends un shot. 1, 2, 3, prends un shot. Wouh! Ah! T'es pas en table. C'est incroyable. On prend l'autre shot? Je peux pas le prendre tout de suite, moi, là. Mais il est pas sur scène, là. Ben, je vais le prendre à... Moi, je peux pas le prendre. On le prend tout de suite? Ouais, on prend tout de suite. C'est mon ami! Non. Ben non, OK, non. Oh my God, merci. Aïe, aïe. Ah, allô? On peut-tu prendre une petite pause, là? T'es donc bien belle. C'est pas légal. I love it. On fera un shot. T'as pas le micro, faut que tu prennes un micro. C'est du whisky. Allô, les biches. T'es appelé les quiches? Les biches. Ah, les biches. C'est un animal. Allô, les quiches! Oh, voyons donc. On dirait toi, mais qui frise. Oui, mais oui, je sais. Mais là, c'est parce que je me suis raidé les cheveux, là. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est ma coiffeuse. Mais. je vais attendre un peu. Faut que j'attende. Je peux pas. J'ai été malade il y a deux jours. J'ai été malade il y a deux jours. Voilà, bouh! Chou! Boo Burns! Ben non, mais on va attendre un peu. Je vais attendre un peu. Mais okay. Allez-y, allez-y. Ben oui, c'est pas parce que t'es enceinte, tu peux pas boire. Oh, cheers, les amis. Celui-là, on va le prendre plus tard. On va le prendre plus tard, mais on t'aime beaucoup. Bon, vas-y, Cédric. Mets-toi chaud-marde, là. Oh, ben oui. Montre au monde comment t'es beau quand t'es chaud. Oh, oui. Vas-y. Il va peut-être enfin faire ce qu'il a jamais fait, c'est-à-dire montrer sa grosse graine bleue. Non, arrête! Hey, bleu! Ouais. Comme si elle s'était faite tordre. Elle est bleue, bleue, bleue. La poche bleue aussi. Ça vaut 8,8 millions, ça. Ça fait réfléchir. Vous, votre podcast, il vaut combien? Notre podcast, combien t'as dans ton compte en banque? 16 $. 16 $. OK, on va passer à un autre appel. Ouais. Qui veut acheter notre podcast? Ouais. Qui est prêt à investir? Qu'on le fasse plus jamais. Est-ce qu'on peut payer... Est-ce qu'on peut payer en argent canadien ou là, vous avez une nouvelle monnaie? Tu cherches ça en merde, ma tabarnak? Là, je suis chaud bateau, j'ai plus peur dire ce que je pense. Si m'a de fond, c'est la fin. Si. La table sur le coin de la... La tête sur le coin de la table. Si. T'as vu American History X? Pow! Si. Faire mort de la scène, coup de pied derrière. Ping! Oh, il switch quand il boit. Il n'est pas de rien. Je comprends. Oui. Mettez-moi en prison, je m'en fous. Il est convaincu d'être au Dagobert sans arrêt. Qui on mettrait sur notre monnaie? Sur notre monnaie? Ouais. Jérôme 50, c'est 50. Ouais. Voilà, Vincent Vallière, c'est 20. Oh, oui. Vautier, c'est 2 piastres. Ça prend des femmes. Ça prend des femmes, oui. Ouais. Ben oui. Ginette Renault sur les 100. Ben, Pauline Marois sur le 100. Pauline? Pauline. Lydia Kepinski. Marjo, c'est 50. Non, mais Jérôme 50. Ben oui, c'est oui. Bon, c'est bon, là. Non, mais on peut faire de la coke, c'est parfait. Faire de la toi, coke. Tu fais de la coke avec des 50 piastres. Ben, j'ai un ami qui faisait ça, là. Cool. Après, j'essaie de nous faire croire que tu es le milieu modeste. C'était comme Victoria Beckham. Non! Vous avez vu le mime de, vous avez vu Victoria Beckham qui dit « Ah, je viens de milieu modeste, mon père m'amenait en Rolls Royce à l'école, t'es pareil. » Pareil. Tu fais de la coke en tournant en film. Une fois, avec un gars qui faisait. Ben, Chris! Moi, j'ai jamais eu d'argent pour m'en acheter. C'est pour ça que j'en ai pas fait. Mais belle comme t'es, t'aurais pas d'avoir gratis. T'as raison. Pourquoi tu t'es... Mettons, tu te prostituais. Ouais. Bon. Hey, moi, j'aime ça que tu dis belle comme t'es, puis après, c'est... Mettons, tu te prostituais. Comment tu ferais ça? Quel genre de prostitution tu t'offrirais? Ah, ouais. Quel genre de prostitution? Mm-hmm. C'est sûr. Ben,
Mais j'en ai déjà parlé à sous-écoute. Mais je serais cam girl. Wow, cam girl. Ouais, ouais. Avec, je me ferais des petits décors différents tout le temps, genre. Ah, avec tes beaux seins. Oui. Et tu chatterais. Oui, c'est ça. Ouais, genre, mais des décors différents, genre des green screen ou. Ben j'essaierais. Non, j'essaierais que ce soit plus. Les construirais. Ouais, un peu plus théâtral, là, ouais. Je suis content que ça aille là. Ouais. Moi, si j'étais une prostituée. Toi, Mais t'es acteur, c'est un peu ça. Mon tabarnak. Si j'étais une vraie prostituée, là, je pense que je serais genre, là, tu sais, là, les genres de filles asiatiques qui mangent énormément là, sur YouTube. Oui. C'est ça. Tu serais une fille asiatique. Du ouais, ASMR. Ouais, genre manger 5 poulets, ouais. 16 œufs cuits durs, ouais. Là, un 36 ramen là, avec des gants noirs en latex. Là. Ouais, ouais, ouais. Va voir ça. Qui paierait pour voir ça? Oui. Tabarnak. Personne paierait pour notre podcast, mais pour m'avoir mangé 36 poulets. Hein? T'es-tu sûr que tu parles pas de Martin Picard, là? C'est vrai que Martin, hein? C'est vrai, c'est ça qu'il a mangé un écureuil? Il a mangé un écureuil? Il a écureuil? Oh, ouais, oh, y a une légende qui dit qu'il a mangé un écureuil, là. Oh, mais pas de ce pas par terre sur le bord de la route, là. Il a... Non, il est de la fontaine. De la fontaine. Je me souviens, Mané, j'écoutais son émission dans son chalet cabane à sucre, là. Mm-hmm. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Puis à Mané, il faisait comme retire une tête de cochon complète avec tout ce qu'il y a dedans tout le temps, genre, là. Tu sais, je sais pas. Bref, juste vraiment une tête de cochon. C'est le cerveau, là, ce qu'il y a dedans. C'est là, ça, pas, oui, il n'y a pas un cellulaire, un portefeuille. Mais aussi... Voyons. Mais aussi, les yeux, puis il était tout excité parce qu'il disait « Hey, m'a mangé les yeux du cochon, puis c'est la seule partie que j'ai pas encore mangée de ma vie. » C'est hot. Puis ça m'a vraiment... Tu vois, c'est un souvenir que j'ai en tête pour toujours. Ça t'a excité? Pas tant que ça. Non, ça m'a rappelé quand j'ai disséqué un œil de bœuf au secondaire. Avez-vous fait ça ou ça? Ah ouais. T'as disséqué quoi? Un œil de bœuf. Yerk! T'as pas fait ça? Malade. Ah ouais? Pourquoi t'as fait ça, Esti? Ouais. Ben parce que la professeure m'a obligé. Ah ok, c'est pas juste c'est toi. C'est ça, elle suit les ordres. C'est ce qu'ils disaient les nazis aussi. Ah ouais, c'est ça, moi je faisais juste... C'est ce que la professeure me dit, je vais anéantir les juifs. Je serais une bonne SS. Je serais une bonne SS. Je suis contente que tu le dises. L'uniforme serait bien. Toi le nazi au Parlement, là, que tout le monde a applaudi. Au Québec, on fait pas ça. Non. Applaudir les nazis. On fait autre chose. Là, ouais. Vous n'aviez pas disséqué un rat, vous autres aussi? Toi, t'as disséqué un rat? Oui, oui. Ouais. C'est intense. Je l'ai disséqué, après je l'ai amené chez nous puis j'y ai donné un nom. Les gars, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'actualité souverainiste, je dirais, cette année. Un peu moins. Mettons, on baisse le niveau de condescendance envers la souveraineté. Cherchais le bon mot. Cherchais le bon mot. T'es une mauvaise gagnante. C'est ça que t'es. Ah, mon Dieu, que c'est un rire démoniaque de fédéraliste. L'impression d'entendre... Vous êtes Cruella. Oui, oui. Alors, on a découvert que le clan du nom de Pierre-Éliott Trudeau avait des cellules espions illégales au sein du clan du Oui. Non, non, mais ça, tout le monde le savait depuis toujours. Je savais pas ça, moi. Tu savais pas ça? Je savais pas ça. Ben, il y avait des espions partout. Il y en a encore aujourd'hui. Yeah. Hey, là, il y a une caméra là! Hey! Il y a une caméra là, il y a des micros! Cédric, c'est un espion? Oui, il y a une caméra dans son tatou d'épaule. Oh, il y a bien trop l'air souverainiste, c'est suspect. C'est louche. C'est vrai, comment vous pensez que ces espions-là se déguisaient en souverainistes? La Garda. Quoi? Garda. C'est quoi? Il était habillé en Garda? Il était en Garda. Garda? Oui. C'est lui l'espion. Garda? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Es-tu en train de se débalconner, cet hostie-là? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? T'en vas aux toilettes? T'en vas aux toilettes? C'est pas de nos affaires! C'est pas de nos hosties d'affaires, ça! Elle dit à tout le monde, t'en vas pète saucer, mon hostie? Voyons, il fait un chute avec son doigt. Esti mais là, laissez les pauvres, lui, c'est gênant. Oh non, c'est lui qui a parlé fort. Ouais. N'oubliez pas de vous avertir si vous allez aux toilettes, là. Mais il n'a pas fini, je pense, encore. T'as-tu fini ta toile? Tu mets de la pression sur l'artiste. Excuse-nous, parce que j'ai appris une demande spéciale. OK, mais c'est quoi? Tu veux-tu la dire maintenant? Non. OK. Je veux qu'il se mette tout de suite à le faire. Wow, OK, d'accord. Moi, pour vrai, j'adore les désordres. Ah oui, hein? Ouais. OK, d'accord. Mais je peux l'arrêter là, si tu veux. Non, okay. C'est satisfaisant. Ben, quoi? Qui veut cette œuvre?
Okay, donne ça à Chantal. Peux-tu donner ça à Chantal, s'il te plaît? Oh non, Chantal, on pas Chantal, on va être quoi de bien plus cochon que ça. Ah! Oh, pour Chantal, il faudrait que tu fasses le portrait de Coco Douglas, s'il te plaît. Oui. Mais qui veut ça de... qui veut ça de... Viens-t'en. Mais non, viens-t'en. Pas tout le temps. Viens-t'en. Mais moi, on dirait le... Tu veux pas? Excuse-moi. Anthony, c'est un cauchemar pour lui à chaque fois qu'on fait monter du monde. Notre réalisateur, Anthony, applaudissez-le. C'est grâce à lui, si vous nous aimez. Oui, Anthony Hamelin, Olivier Magnan au Camara. Il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, à part des épisodes de 4 heures, puis faire monter du monde sur scène, puis on s'en laisse faire juste ça pendant 6 heures. Ah, ouais. Mais... Oui! Yeah! Donne ton œuvre, s'il te plaît. Donne ton œuvre. Lance-la. Ici à court. Yeah! Yeah! Yes, sir! Yes! Bravo! Merci! Bravo! Meilleur gars! Merci d'encourager l'art. Cédric, j'ai une demande spéciale. Il semblerait que c'est l'anniversaire d'un gars qui s'appelle Maxime. Oh! C'est okay. Celui-là en avant! Maxime, c'est ton anniversaire, s'il te plaît, fais une toile pour célébrer l'anniversaire de Maxime. Maxime, qu'est-ce que t'aimes? OK, tu peux-tu, s'il te plaît, dessiner... Tu peux-tu dessiner Maxime se faire prendre par sa blonde avec un gars de ceinture? En missionnaire sportif! Ouais, en missionnaire sportif! Ouais, non, mais Cédric, tu sais, il est là. Faisais un beau portrait, là. Ouais, un beau portrait. Là, comme il est là. Casquette, s'il te plaît. Moustache. Fais ça de même. Ah ouais, ça va être beau, ça. Ouais, t'as plein de couleurs, là. Magnifique. Ta blonde, est-tu autour de la table, Maxime? OK, il y a point. Cet événement-là que Thomas parle, c'est-tu arrivé? OK. Oh. Ça, c'est réglé. T'as le décrit, Cédric, si tu le vois pas, il a l'air de James Hyndman avec une moustache puis une casquette par en arrière. Pour vrai, ouais. Mais il est très sexy. Oh, c'est le même qui commande des bières, toi. Comme un hostie de mon oncle qui fait des mimes. Tabarnak, Jancelin. Tabarnak. Ça fait longtemps que j'avais vu de la Commedia dell'arte. Chris, ouais. C'est Pantalon qui commande une bière. Una birra. Encore heureux que ça n'ait pas été une énigme. Mon premier commence par B. Je commence à comprendre comment tu fais l'amour. J'ai vraiment aimé ça. Chérie, soyons honnêtes. Sexuellement, c'est quoi la chose que j'ai faite qu'il faut plus... Que le plus je veux dire, écoutez sous-écoute Live à Moncton, l'intégrale. On en parle assez. On en parle. Quand je mange ton cul puis je te lèche après? Non, mais. Rien d'autre. Tu veux quelque chose que je veux plus que tu fasses? Ou que j'ai fait puis tu fais comme OK, là. Je veux améliorer mon couple par la communication puis vous voyez, pas réceptive. OK, là, donne-moi deux secondes. Si je continue, c'est sa faute si je la satisfais pas. Faut me le dire. Qu'est-ce que sexuellement. Tu sais, je pourrais arrêter. Que tu pourrais arrêter? Oui. C'est vrai que c'est une bonne affaire pour améliorer son couple de faire ça devant tout le monde. Ouais, mais après ça, tu sais, il est obligé de le faire. Tu sais, il y a des gens qui payent sur Patreon pour votre assiette de thérapie de couple, là. Mané, regardez-vous une petite gêne. Mais rien? Tout est parfait? Je suis plus autant flexible qu'avant. Je comprends. Faut que je relaxe là-dessus. Des fois, je suis comme... Ça serait le fun que je ne sois pas obligée d'être pliée en deux. Je comprends. Attends un peu, t'es pliée en deux. J'applie en deux, ça m'excite. Pliée en deux. Moi, j'applie. Mais t'as l'air d'aimer ça. J'étais capable à une époque, mais là, j'ai accouché, puis c'est plus difficile. Mais là, aussi, des fois, c'est le matin. L'après-midi. On fait beaucoup l'amour l'après-midi. Oui, c'est ça. Oui. On fait beaucoup l'amour fois, en même temps. Des fois, tu te dis, oh, on va faire l'amour, ça va être genre doux puis tranquille. Puis là, j'étais encore les quatre fers en l'air, pliée en deux. L'angle, c'est difficile. Je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est même pas, c'est fait fourrer en 95 par les acides fédéralistes. Fait que prends ton acide de trou, t'es femme, t'as dit. Yeah. Est-ce que vous êtes déjà vu nu? Pardon? Si on s'est déjà vu nu? Vous deux? Non, nous, non. Vous, oui. Nous, non. Non, nous, non. Jamais? On s'est-tu déjà vu nu? Moi, je me suis déjà vu nu. OK. Ouais. J'ai haï ça. Plus jamais. Ah, ouais. Non, plus jamais. Oui. Si je t'ai déjà vu nu, oui.
Ben oui, dans le petit tonneau. Hein? Ben oui, au chalet. Je t'ai déjà vu nu aussi. Ah oh, oui! Ah okay. Oh, oui! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Dans le petit tonneau ben, chaud. On avait un petit trip de moche, là. Non, non, non. Mais ben, plus qu'une fois, en fait, tu viens d'un dune à Sandbanks aussi. Ah, tabarnak! Ben oui, un autre trip de moche. Ouais, il était ouais, là. T'étais là, toi oh, aussi, ouais. Mon esti. On l'a vu nu aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a le pénis bleu. Qui a le plus gros pénis? Hein? Qui a le plus gros de pénis? Loin, de loin, c'est Derek. C'est très subjectif, ça. Bon, c'est ben pas oui. Subjectif, non. C'est subjectif, c'est c'est pas une opinion, là. C'est subjectif! C'est la part la plus drôle que j'ai jamais entendu. On parle pas de l'appréciation du pénis, là, on parle de la longueur. Non, non, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il est moins beau. Là, je parle comme si j'avais non, le plus non, petit. Non, mais là, ouais, ben oui. Il est plus génial. Petit, mais il est large, large, large. Une queue de castor, c'est dans le Vieux-Québec. Ah, ouais. Je sais pas quoi faire avec ça. Cannelle banane. Ben tu mets du beurre de pinette dessus. Il y a du monde qui aime ça. Qui? Les chiens, là, quand tu mets du beurre de pinette dessus. Les chiens? Bon, 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 bon. Mais de loin, Cédric, c'est un... À il doit être bien membré. Hein? Comment? Pour vrai, il y a la confiance d'un gars qui a un beau pénis. Oui, oui, clairement. Ouais. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Les gars, vous êtes en tournée avec votre show de 60 minutes, oui, votre absolument. Show du mot. Ouais. Est-ce que à chaque fois, bravo. Two thumbs up. Bravo à ça. Est-ce que vous sentez qu'à chaque endroit où vous allez, il y a des gens après ça qui deviennent souverainistes? Complètement. Oui. Absolument. Oui. Est-ce que vous, est-ce que vous faites un sondage à la fin? Est-ce que vous vendez des cartes de parti? Comment vous déterminez si le vent a tourné dans la salle à la fin? C'est toi, le style d'espion fédéraliste, man, ça, avec des questions. Si le vent tourne... Ben, honnêtement, les gens, ils viennent... Puis j'ai l'impression que les gens qui viennent sont déjà vendus. Mm-hmm. Puis ils traînent des gens avec eux qui sont pas nécessairement vendus. Mm-hmm. Puis honnêtement, là, je vais parler sérieusement, je pense qu'on convainc des gens. Puis on l'a clairement vu... On l'a clairement vu à la Saint-Jean cet été, puis... Encore, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous raconter la meilleure spectatrice que vous avez eue dans une loge? La meilleure spectatrice qu'on a eue dans une loge? Bien, dernièrement, il y a une spectatrice qui... Dernièrement, il y a une spectatrice qui est venue nous voir avant un show à Sherbrooke. C'est une vieille madame. Tu sais, quand quelqu'un qui rentre juste un petit peu sa tête dans le cadre de porte, puis elle a dit... C'est-tu ici pour les anniversaires? Oh. Puis il y a un agent de sécurité qui l'a juste repris, puis sa tête est disparue. Encore à ce jour, on pense que c'était juste une tête. Ça existe, ça? Ça existe. Hey, oui. body inclusive. Oui. Moi, je suis pour la diversité corporelle. Tu peux venir avec une tête, si. Oui. Tu peux être avec nous. Les têtes sont bienvenues à nos spectacles. Oui. J'ai une question délicate. Oh non. Oh. Qui est le souverainiste dont vous avez plus honte? Pardon? Le souverainiste dont on a le plus honte, André Boisclair est de loin. C'est tough de topper ça, mon Thomas m'a dit. Es-tu sorti de prison? Ben non, il n'est pas sorti de prison. Il était supposé aller en thérapie. Mais là, il a allégué qu'il était trop intelligent pour aller en thérapie. Il était trop intelligent? Ouais. Ça me rappelle une couple de monde qui se sont fait prendre dans le Me Too, ça. Trop brillant pour être criminel. Fait que, ouais, de loin, mon bon vieux André. Je comprends. Ouais. Ton amour, c'est qui ton souverainiste préféré? Préféré? Il a parlé à Alchi qui a dit mon amour, mais il parlait à sa blonde. Ah, OK, je pensais que tu parlais à moi. Je me suis mis à réfléchir. Ah, ben moi, c'est Paul Piché. Ah, ouais. Ben, je pense que je l'ai déjà dit. Il m'avait laissé un message sur mon répondeur. J'avais-tu dit ça? Je sais. I'll start from the beginning. Let's go, chérie. Alors, je travaillais dans une salle de spectacle et on a des lancements de programmation à chaque année pour montrer comme les spectacles sont à l'affiche. Pour vrai, ça y ressemble. Non, ça y ressemble. Non, c'est pareil. C'est vraiment pareil. C'est comme la version manga c'est, de lui. C'est la même affaire. Ben oui, c'est deux gros yeux là, qui ont l'air de deux portes cochères dans le Vieux-Québec. Ouais, puis il y a, ouais,
Il y a eu ton petit coup aussi, ta grosse tête et ton tout petit coup. Hey, je reviens. Avez-vous besoin de quoi aux toilettes? Non, c'est gentil. Non, ça va. Va aux toilettes. Il est tanné. D'après moi, on ne le reverra pas. Un autre coquet. ouais, puis Paul Piché était sur la programmation de la soirée. Et c'est moi qui coordonnais le tout. Puis, il allait être en retard. Alors, sa gérante, elle m'a dit, est-ce que je peux te laisser, je peux y laisser ton numéro de cell pour qu'il t'avise quand il arrive et tout. Puis, j'étais comme, ouais, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Puis, moi, je suis vraiment poche avec mon cell. Là. Je l'entends jamais sonner. Fait comme non, de tu fait. Je suis là, tu l'entends sonner, tu réponds pas. Puis, fait que là, Mané, je vois que j'ai un appel manqué, puis je suis comme, Chris, tu sais, c'est un numéro que je connais pas, fuck, c'est peut-être pas le Piché. Puis là, je vais prendre mes messages. Cool, parce que c'est un vieux, fait qu'il laisse des messages. Mais c'était aussi, ça fait longtemps, là, ça fait peut-être 15 ans, là, fait que c'était pas tant texto. Comprends. Fait que là, je pars mon répondeur, puis là, le message part, puis ça fait. Comme ça. Je l'ai gardé tellement longtemps. Salut Stéphanie, c'est Paul Piché. C'est juste pour te dire que je suis en chemin, mais je vais être en retard. À très vite. Mais ma chérie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais plus Paul Piché vieillit, moins il y a de boutons de sa chemise attachés. Ouais. Ma chérie. Aucune note là-dessus, chef's kiss. Pourquoi tu penses pas à ça quand tu te masturbes? C'est vrai, t'as raison! Mais oui, ça va marcher! Pense au message! Je l'ai gardé jusqu'à temps que je change de sel. Wow! Puis je savais pas comment conserver le message et tout. Je sais, c'est Est-ce que tu te masturbes sur le ventre ou sur le dos? Sur le dos. Parfait. Non, je me masturbe sur les jambes, ma main! Ça me rappelle les beaux moments qu'on passe ensemble. Est-ce que c'est un TikTok live? Ah non, c'est pour la job, là! Oh, oui. Qu'est-ce que tu fais? Il fait du montage. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas le temps de faire du montage. Ben oui, ah, oh, excusez. Il travaille, excuse-moi. T'es en train d'envoyer ça à Sadex avec le prochain long-métrage de Denis Arcand. Mais c'est qui donc, vous, votre souvenir préféré? Préféré. Le meilleur. Que mettons, il y a un extraterrestre qui arrive et dit « Je veux parler à un leader souverainiste. » C'est lui que vous envoyez. Boucard Diouf. Oh, hey, ouais. Il est bon, lui! Ouais. Boucard! Il adore les baleines. Oui. Ben, grand océanologue. Je pense qu'il aime la biodiversité en général. Les baleines. Il me l'a dit. C'est vrai, il t'a appelé. Il a dit, salut Thomas, c'est Boucard Diouf. J'adore les baleines. Toi, c'est qui ton souverainiste préféré? S'il te plaît, dis pas un membre du FLQ. Oui! 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 Paul Rose! Ben oui, il nous a regardé. Paul Rose! Il l'aime tellement, il sait pas son nom. Il s'est battu, Carlis. Ouais. Toi, t'aimes la bataille. Ouais. T'es un gars de bataille. Ouais, j'aime la bataille en principe. Plus que le monde se batte pour vrai, je fais « Ah non! Ouais. » C'est vraiment mon joint. Ouais, c'est plus ça. Vous êtes-vous déjà battu? Prochaine question. Ouais. Il y a eu la grande bataille de l'île aux coudes. Oui. La grande bataille du Dagobert. Oui. L'autre grande bataille du Dagobert. Oui. La grande bataille de la roquette. Oui. L'Esco. Oui. La fois où on s'est battu avec Jeannine Stowe. Oups, là. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est la crème arrosée, ça, mon est. C'est la même affaire que la crème fouettée. C'est toi qui as apporté ça? Ça goûte pareil. Oh, mon Dieu. Pourquoi t'as apporté ça? Je vous présente un homme sous qui a des bonnes idées. Oh, my God. Oh, wow. Non, c'était aux toilettes. Cette petite clap molle qu'on a eue là-dessus. Ça, c'est tous des ouvriers qui ont travaillé toute la journée. Ils sont fatigués. Et ça, la classe moyenne. Ça a travaillé dans le faubourg Amélas toute la journée, à l'usine de coton. Beurre de pinot matin, midi, soir. Ben oui, ça arrive bien fatigué pour voir un spectacle. On va changer les idées. Ça veut rire pour sortir de la dépression. Ben oui, on rit. Mais pendant ce temps-là, le monde brûle. Ça va mal. Pensez à ça. Oui. Dans vos petites têtes de prolétaires. Ah oui.
Continuez d'acheter des assiettes en plastique pour la fête de vos enfants. Ben oui, c'est ça. Oh, Gaïa, on a chié dans ta couche. Ben oui. Ta couche d'ozone. Ça pue. Les cow-boys avaient raison. Non, paysage vrai, lunaire et chaleur suffocante. On est en octobre, il fait bien trop chaud. Hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Hey, pour vrai, ça évolue bien. Ça y ressemble pour vrai. Mais non, mais non, oh, 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 non, oh. Non, yeah! Salut! Allô? Ton prénom? Marc-Alalim, NPD. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, OK, oui, OK, OK, NPD. J'ai compris, vodka, NPD, ça se peut-tu? Ah, mon Dieu, merci qu'est-ce que ça sent? Merci beaucoup, c'est gentil. Moi, j'ai entendu vodka, MD. Ah, non? Merci, le tequila! Mon Dieu, on l'a Seigneur, Jésus. Moi, la seule question que je me pose... Ah, pas toi, est-ce que... T'attendais-tu en fil depuis tantôt, puis tu viens juste d'arriver? Oh, merci pour ça. C'est un beau dessin. Hey, on le reconnaît tout de suite. Eh oui, toi. Il a la même calice de face pendant qu'il le regarde. Regarde. T'as les yeux, quelle couleur? Bleu. Comme le pays. Parfait. Bleu, Québec. Ah. Allez-y. Oh, mon Dieu. Hey, c'est le fun qu'il y ait autant de monde qui soit déplacé pour venir nous voir nous mettre chaud. Ça va être le fun quand vous allez dire à la gardienne qu'elle peut rentrer chez eux. C'est correct, tu peux y aller. Je te le fais un virement interact demain. Non, c'est son père. Oui, c'est mon père qui garde. Ah, ton okay. Père. Ouais, non, ça va bien. Mon amour. Oh, ouais. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie, c'est un sex shop. Achète en ligne au erosetcompagnie.com. Utilise le code promo COUPLE15 pour avoir 15% sur absolument tout en magasin. Aide-nous, aide ton orgasme. Let's go! Ça, faut-tu l'ouvrir, là, ça? On le déballe-tu? Ouais, okay, c'est parfait. Un unboxing. C'est comme un dildo à deux? On en a pas mal. Les double end. Les deux. Ah oui, comme dans Requiem for a Dream. Oui. On partage tout. Ça va mal finir. Oh mon Dieu, c'est quoi? Gélatineux. Ah non. Hein, oh c'est quoi, c'était quoi? C'est quoi ça? Aïe, aïe. Je pense qu'il y a une petite carte aussi à votre attention. Ben non, une petite carte? Je vous le dis. Ah, voyons donc. Aïe, aïe, donc. Oh. Ah, vas-y. on dirait deux singes qui voient, qui trouvent le feu. Oh non! Ça faisait tellement longtemps que je voulais quelque chose de même. Bric et brac. Eros et compagnie ne pouvaient faire autrement que vous offrir le jouet qui ressemble plus à une fleur de lys. Avec un petit peu d'imagination, bien sûr. Il s'agit d'un jouet prostatique gonflant permettant de vous offrir des orgasmes à vous faire crier « Vive les prostates libres! » Bonne découverte! Est-ce qu'on dit ensemble « Vive les prostates libres »? Wow! Un, deux, trois, go! Aïe, vive les prostates libres! Wow! Aïe, oh, c'est très beau, ça. Je vais même ça. Pouvoir m'en servir comme gros Bluetooth. Hey, on laisse aller live. Aïe, aïe. J'en ai un plus petit à maison, mais ça, c'est cool. Mais c'est non, mais là, c'est gonflant, ça. Tu vas t'exploser. C'est un bel objet, ça. Là. C'est un bel objet. On rit, mais c'est beau en tabarnak. C'est quoi? C'est beau en Christ. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Pour toi, c'est ça, la beauté? Oui. Ouais, la prostate. Un beau bleu cobalt. Pour vrai, c'est une de tes plus grandes forces sexuellement? De quoi? Une de tes plus grandes forces sexuellement. Ah, je sais pas c'est quoi. Jouer dans mes fesses. C'est vrai? T'es vraiment bonne. J'étais pas sûre. T'es bonne. Merci. Parce que t'es douce, puis ça me fait du bien. Les Bluetooth. C'est vrai, t'es bonne. Ouais. Bravo. Ouais. I'm a gold digger. C'est pas... De toute façon, on prend les choses. Mais à fille. On dirait un peu un gun à Halo. Ah oui, c'est vrai, si. On dirait un gun, headshot. C'est vrai. Headshot, non. Non, mais pour votre armée souveraine, là. Oui, tu as raison. Un peu le doigt d'E.T. aussi, hein.
Mais je veux pas te faire capoter, Brack, mais il est Bluetooth. Wow! Ce qui veut dire que notre prochain 60 minutes, on pourrait avoir ça dans le troufion tout du long. Ah, wow! Puis notre agente pourrait l'actionner à distance. Ah, wow! Oh, c'est wow. une bonne idée, ça. C'est parfait. Parfait pour faire la vaisselle tranquille à la maison. Merci. Tranquille! OK, les gars, you know the drill. Comme on dit, on va lire des dates. Vous êtes prêts? Let's go! Est-ce que je lis cette petite note? S'il te plaît. Attention. Si cette histoire pouvait être lue au show du 6 octobre... C'est elle! Qui ça? Qui ça? Oh! Uchimama! T'es-tu là? OK. Alors, si cette histoire pouvait être lue au show du 6 octobre, je serai dans la salle. Voulez-vous la voir ou non? On ouvre les lumières! On ouvre les lumières! Hé, hey, où? Tu te lèves, toi! Lève-toi! Oh, my God! Oh, oh my God! C'est ta date? C'est sa date à elle? C'est ouais. sa date à elle. Oh, my God! J'adore le outfit of the day. Un petit top en satin blanc. Ben aïe, aïe, elle fucked up, ta date! Elle fucked up, sa date. Love the outfit. Ouais. Bonsoir! Pendant une période creuse, j'ai décidé d'aller swiper sur Tinder pour aller chercher un peu de validation externe. As you should. Je match avec un gars, pas parce que je le veux bien, mais plutôt parce que je veux le remettre à sa place parce que sa bio me trigger in all the wrong ways. Ouais, je suis sûr qu'il a eu sa leçon. Je suis sûr qu'il a changé. Il y a une super belle fille qui l'a sucé et il a fait « Ah! » Et si je changeais mes habitudes pour plus vivre ça? Attention. Notre première interaction n'était déjà pas super prometteuse. Fouillez-moi pourquoi, malgré le fait que nos conversations étaient désagréables, j'ai continué de lui parler pendant quelques temps jusqu'à ce qu'il m'invite chez lui. Ben oui. De là, je pense pas qu'il a changé. Normalement, je ne vais jamais directement chez quelqu'un pour une première date, mais par je ne sais pas quel tour de force il m'a convaincu. Mais non, arrête là. Madame! Il l'a convaincu de quoi? J'ai pas compris. On peut-tu encore mettre la lumière sur elle? Il l'a invité chez eux. Il est prof au secondaire d'éthique et culture. Il vient d'une bonne famille. Il s'entraîne régulièrement, etc. Etc. C'est quoi l'etc? Ben, ah, juste plein dit de sa belles job, affaires. Il mange vegan, puis il fait de la course. Là, tu sais, je sais pas. Il a une bizarre de belle gueule. Une bizarre de belle gueule, c'est quoi ça? Je sais pas, là, tu sais, ben des cicatrices d'acné. Excusez-moi. Tous ces traits sont beaux, indépendamment des autres, mais le tout mis ensemble est vraiment weird. Ben voyons. Il y a beaucoup donc. De filles qui ont ri, ils comprennent. Oui, c'est ça. Il y avait un œil plus gros que l'autre, genre un nez de 6 pouces. Avant de partir, j'ai un mauvais feeling. Je donne donc toutes les informations que j'ai à son sujet à mes amis. C'est ça. Il s'entraîne régulièrement, il vient d'une bonne famille. Il a des beaux traits, mais c'est bizarre. Chris, t'es-tu Hugo Girard? Essayez, c'est l'adapter. J'ai donc à son sujet à mes amis. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, il pourra être mené devant la justice. Ben non. Mais je veux dire, si tu penses que le gars va te tuer, vas-y pas, non? Ouais. Mais ça, c'est moi. Moi, je suis un malade. Moi, je suis un fou. Bref, j'arrive chez lui. Un bloc appartement miteux en périphérie de la place Alexis Nion. J'aime cette impression. Ah ouais? Ici, ouais. Autour du bloc, il y a des poubelles partout, des rats, des souris qui courent dans les corridors. Et ben voyons! Ben non! C'est la faune urbaine. C'est un roman de Patrick Sénécal, ça. Et non, ça ne m'a pas arrêté. Je rentre dans son 1,5, surprise. Il y a des représentations religieuses partout. Ben une croix au-dessus du lit, un autel, un portrait de Jésus sur la table de chevet.
Dans sa bibliothèque, il y a 1000 versions de la Bible, du Coran et de la Torah. C'est étourdissant. Il avait allumé une douzaine de chandelles partout dans l'appartement. Hey, comme toi! C'était toi, est-ce que c'est moi? C'est moi dans le corps de Hugo Girard. Avez-vous baisé missionnaire? Missionnaire sportif? Missionnaire sportif, oui. Okay. C'est sûr que s'il est religieux, ils ont baisé en missionnaire. Ça pose pas de questions. C'est sûr. J'avais déjà oublié ce bout-là qu'on a fait. J'ai pas oublié. Ah oui, c'est le début. Oui, ça commence de même. C'est ça, là. J'ai dû ouvrir le frigo à un moment qui était rempli de boîtes d'œufs et de peau pour faire des shakes de protéines. Gros gars. Plus j'en apprends, moins je comprends le personnage. On s'assoit pour... J'entraîne, mais... Ouais, okay. Ça qui aime. Oui, OK. Moi, je défends, cet homme-là. Oui, OK, c'est bon. Je défends. Je suis sur son bord. Je connais la suite. La nuit que j'ai vomi, là, il n'arrêtait pas d'essayer de me faire boire des affaires d'électrolytes qui goûtent la... Powerade? C'était des... Non, je suis comme... Je me remets à peine, puis il est comme, bois ça. Non! OK, bon. Mais moi, je suis correct. Je suis correct aussi maintenant. J'ai bu de l'eau, là. C'est juste que, tu sais, On s'assoit pour jaser autour d'une bouteille de vin. Gardez en tête que déjà, par texto, aucune de nos conversations était agréable. On se met à parler, pourquoi, de la place du féminisme en 2023. Il me donne ses opinions les plus cringe ever. Voici mes quotes préférées. Oh! Ouais! On écoute! Cédric, viens lire! Viens lire ça. Montre-nous voir si c'est le Mathieu Bock côté de sa génération. Ah ouais? Lise ça. Vas-y. C'est bon. Ah, il est content. Le féminisme n'a plus sa place aujourd'hui. Vous avez gagné! Vous l'avez mieux que les hommes. Le féminisme nuit à notre société. Pourquoi? Parce que les femmes ont des enfants plus tard qui sont à risque d'être malades. Voilà! Il y a plein d'enfants malades à cause du féminisme. Parce que les femmes ont des enfants plus tard, fait qu'ils ont plus de chances. Ils sont malades, les enfants. Ben oui, c'est vrai. Ils toussent tout le temps, nos enfants. Votre garderie. La COVID, là. Okay. C'est la pas COVID, les pangolins, c'est le féminisme. Allumez, tabarnak! C'est le féminisme. Allumez! You! Je suis vraiment content d'être porte-parole de cette parole, là. Oui. Qui a dit ça? Trois! Non, OK. Là, il faut se rappeler que c'est un prof d'éthique. Ouais, c'est un prof. Oui, lui, c'est pas comme s'il avait de l'influence, c'est pas comme s'il parlait à des jeunes à chaque année. Il dit, j'y vois les jeunes filles dans mes classes. Oh non. J'y vois, il a pas le choix, il donne le cours. Leur corps est formé. Ouais. Ben non. Elles sont prêtes. Ben non, arrête. Elles ont les hanches larges, prêtes à enfanter. Ben, voyons. Voilà. Elles sont prêtes. Donc. Ben non, c'est sûr que c'est le méchant dans Elles étaient cinq, ce gars-là. C'est sûr. T'as-tu couché avec? Oui, c'est ça. Je pense, t'as-tu couché avec? Attends, vole pas de punch. Ah, OK, excusez. Mais c'était-tu ton prof ou... Rien entendu. Parle plus fort, j'entends. Hey, voulez-vous le dernier statement misogyne? Vous venez de où, la misogynie, mais c'est correct. Ici, l'autrice qu'on préférerait ne pas nommer tient à préciser que... On l'a vu. Elle tient à préciser que c'est sa préférée. Oh! La quote du... Roulement de tambour! Roulement de tambour! Roulement de tambour! Ça me rappelle trop. OK, attention. Je ne suis pas pour le viol. OK, hot takes. Ça part! On pourra avoir un débat là-dessus. Je ne suis pas raciste, mais... C'est vraiment ça. Ça part! Attends, c'était dans la même courte, ça? Ouais! Non. Non, t'en rajoutes, mon cochon, là. Fais-la pas... Roulement de tambour! Je ne suis pas pour le viol, mais... Je le comprends. Wouh! Moi, j'ai une question. Une question. On écoute. T'es-tu correct? Non, mais on se rappellera que ce gars-là était prof d'éthique. Et culture religieuse. Oui. Mais oui. Je suis vrai jusqu'au bout. Attendez, la citation n'est pas terminée. C'est ça le pire. On recommence au début.
Je ne suis pas pour le viol, mais je le comprends. Tu ne peux pas comprendre, toi, parce que tu n'as jamais eu de montée de testostérone. Word. Oh my God. On dirait que t'as Jerry Springer. Oui, c'est bon, j'aime ça. C'est une belle touche. Il était co-animateur avec Marc Boilard, justement, ce gars-là. C'est un gars de testostérone. Oh. Ing. Oh my God. OK, merci pour ça. Alors, ça s'enfile. On se chicane. J'imagine. Je suis fâchée. On s'obstine. Dans un effort de me fermer la gueule, il me colle et m'embrasse. Il tabarouette. Mais lis la suite. Puis moi, maudite niaiseuse, j'embarque. Ben non. Ça l'excite. T'es où, là? Ah, mon Dieu. Elle s'excuse. Ah, mais il a pas changé, okay, juste à dire. C'est rough, là, mais tout ça pour se rendre à ça, puis c'est tellement bon. Ah, oh, ouais, là, c'est bon, le reste vous est bon. Vous êtes pas prêts, là. Ah, gang, vous êtes pas prêts. Non, mais... Ah, c'est que c'est vas-y, bon. Vas-y, ma chérie, c'est bon. On se rend au lit. Oh. J'enlève son chandail. Non. Ah, oh, oui! Ah, oh, oui! Vas-y, ma chérie. Est-ce que... Convaincu. Oh, ouais, comment ça, Chubba? Vas-y. Les gars, pour vous passer, c'est quoi? Ben, c'est une croix-gamée tatouée. C'est non, ça, c'est encore mieux, c'est encore non, mieux. Pour vrai, c'est pire. C'est pire. Je sais pas si vous êtes okay. prêts. C'est la meilleure okay. affaire. C'est la meilleure affaire, vous êtes pas prêts. C'est pire que le nazisme. Là. Ouais. Ouais. Ah, pour vrai, ouais. Oh, ouais. Ben. Ben. Attends. Ouais, non. Avec ton ton, c'est peut-être moins clair. Non, mais. Le punch est meilleur, ça, je veux dire. Fais attention. Ça fait, sais-tu quoi? Ça finit mieux que le nazisme. Pourquoi ça finit bien, le nazisme? Ça finit mieux que le nazisme. Peux-tu aïe, m'expliquer aïe. Ça, Thomas? Parce qu'on s'entend que le nazisme, ça a quand même bien fini. Ben, alors, ça a juste fini. Il n'y a pas un peuple qui meurt. Le nazisme de Hitler dans son bunker, c'est une balle dans la tête, générique. Oui, mais dans ça, il n'y a aucun tzigane qui souffre. OK. Il n'y a pas de tzigane. Fair enough. J'ai hâte d'entendre. OK. Je sais pas si vous êtes prêts. Hein? On est plus prêts, là. On se rend au lit. Oui. J'enlève son chandail. Mmh. Il a un tatou. Okay. Sur son chest. Oui. Ouais. Musclé. Ah, quand même. Qui dit... Dis, Bart, dis. Quoi? Quoi? Les Simpsons. Dis, Bart, dis. Dans les Simpsons, die, Bart, die. OK, die, OK. Ah, oh, ben non, ouais. Ben non. Attends un peu, il est fédéraliste puis il parle pas anglais. Die, Bart, die. Attends. Ouais. Sideshow Bob, il dit non. Die, Bart, die. C'est un fan de Sideshow Bob? Ouais. Okay. Dans l'épisode. Oh my God, c'est notre épisode des Simpsons préférés en plus. Oui, on l'aime beaucoup. T'as baisé avec Sideshow Bob? Ouais. OK. Est-ce que même il s'est élevé et il est rentré dans des râteaux? Ah, tabarnak. C'est cet épisode-là. C'est l'épisode qui est une parodie du film Cape Fear. Puis là, Sideshow Bob, il enlève son chandail puis c'est écrit Die, Bart, die. Puis il dit non. C'est de l'allemand. C'est écrit en allemand Die, Bart, die. C'est correct, on a de fun. Mais voyons donc. J'aime ouais. tellement, fait j'aime que, tellement fait ça. Fait que c'est pire que le nazisme. Oh mon Dieu. Fais ton temps à choisir entre le fascisme des années 40 et ce tatou-là. Je veux même pas te l'entendre dire, c'est trop terrible. Je pense qu'il va falloir faire un autre podcast pour parler de tout ça. Rendu là. Je ris, la situation est ridicule. Je me fais fourrer devant la croix de Jésus par un misogyne qui idolâtre Sideshow Bob. On finit nos affaires, puis je décalisse tout ce que j'ai trouvé ce soir-là. C'est la validation que finalement, je suis un bon humain. Je sais pas. Je sais pas ça. Je suis pas convaincu de ça. Des mois plus tard, il m'a réécrit pour me demander si je voulais débattre du féminisme avec lui. Elle dit juste « The end ». Merci de m'avoir lu. Mais plaisir. Wow. Merci plaisir. Tellement. Oh my merci God, j'ai tellement... Donne le portrait à monsieur. Calice. Hey, next time, là. Next time, je veux juste te dire que ça existe. Là. Oh, ouais, ouais. Ce jouet sexuel-là est zéro nazi. Chérie, va y donner, s'il te plaît.
Non, non, Chéri, c'était lui, excuse-moi. J'étais un peu sous, je l'appelle Chéri, pardonne-moi. Messieurs, on a une date spécialement pour vous. Peux-tu leur donner, s'il te plaît? Merci. Oui, parfait. Bon. Une date théâtrale. Oh, OK, parfait. Good. Oh, tu veux lire la première? OK, je vais y aller. Parfait. Il y a une phrase que vous allez dire en même temps, vous allez voir. Oh! Hey, la grosse tabarnak! Ça se va bien, c'est bravo. Je travaille à 8 heures. Oh oui! Arrête de m'écrire sur le moche, c'est insultant. Trop tard. Parce que tu m'écris sur le moche puis tu ris de mon physique, c'est terrible. Ce fille-là, elle m'écrit à 4 heures. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah oui, t'as trop de menton, arrête. Puis je peux pas arrêter d'avoir des mentons. Oh. Ouais. Cédric, veux-tu un shot? Il est occupé. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Quel mélange. Oh, bonne soirée. Ah, merci beaucoup d'être là. Merci. Plaisir. Ah oh non, mais là, je suis tellement chaud, je me sens comme Jean-Pierre Ferland au quotidien. Ah, pas bon, ça. Merci, merci. Oui, c'est surette. C'est surette. Tabarnak. L'impression d'être chez le dentiste et qu'on me crisse du fluor dans la gueule. Ouais, hein? Tu fais-tu bon, comme ballon? Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est trop fin. Merci. Avant qu'on passe à la lecture, j'ai-tu une autre commande, Thomas? Il n'y avait pas une autre fête. S'il te plaît, dessine Chantal nue. Qui? Ah! Oh! Peux-tu dessiner Chantal nue? Chantal nue. C'est elle, c'est madame. Chantal nue. Attends. Chantal nue avec Sideshow Bob. Ouais! Elle fait le mime qui a des gros totons. Ça te dérange, ça te convient? Elle veut des très gros seins, s'il vous plaît. Ouais, des plus. Gros seins. Ouais, puis un plus très de petit tonton. Clitoris. Aïe, c'est vraiment mon meilleur vendredi soir depuis depuis genre la semaine passée. TGIF, tout le monde! On a un gros show. Votre date? Oui, c'est ça qu'on fait ici. S'il vous plaît. Je pense que les gars sont mêlés. Ah, mais merci pour tous les shots. Moi, j'apprécie beaucoup. Vous êtes fin, vraiment, merci. Veux-tu là, ma petite, avec moi? Donnez-nous-en à l'infini. OK, les gars, à soir, j'ai plus de limites. Je veux repousser les limites de l'alcoolémie jamais franchies auparavant. Non, écoutez pas dans ce monsieur-là. Il travaille demain de matin à 8 heures. Il travaille. Je veux être Eric Lapointe, puissance 12. Ce gars-là a des problèmes. Tout de monde. Genre de gars qui switch. La NASA de l'alcool. Tu vois, c'est ça. Ouais. Il est convaincu d'être dans l'espace. Je suis capable. Il est juste sous. Alors, coup de théâtre au pluriel. C'est le vrai titre. Bonjour. C'est un homme qui nous écrit, puis ça paraît. Parce que là, coup de théâtre au pluriel, c'est parce qu'il y a plus qu'une histoire, pour vrai, c'est ça? Pour vrai, tu vas comprendre, malheureusement. Malheureusement. Bon, parfait. Alors, bonjour à tous les gens autour de la table. C'est une date longue, alors je fais de mon possible pour couper le maximum de longueur. J'aurais coupé ça, moi. Ah ouais, OK, t'as recoupé ces coupures. Moi, j'aurais coupé cette bout où il y a des coupures. Ah ben ouais. Il y a moi, homme de 39 ans, hétéro, bouh, qui date depuis quelques mois. De quel droit? Pour qui tu te prends? Asti d'hétéro du calice. J'ai rencontré E.R. Annabelle sur Tinder. Fille colorée, même très flyée, de 32 ans qui tripe tarot. Les vies en terreur, l'univers, l'énergie, l'astrologie, pansexuel, il faut le préciser. Okay. Vous voyez le genre? On le voit, le genre. Je te connais pas. Le genre, c'est j'aime ça l'eau tam-tam, mais j'ai pas de tam-tam. Fais bien attention à ce que tu dis, mon tabarnak. J'ai déjà fumé un dreads dans des sarouels. Le gars-là, il est né au tam-tam. Je suis né au tam-tam. Après s'être vue quelques fois, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas m'emprisonner dans une relation et que je pouvais continuer de voir qui je voulais en plus d'elle. Mais okay. Ma fille! Je rencontre ensuite Maude. Aussi sur Tinder. Une fille de 27 ans, simple, d'un village proche. Ouais, on est-tu dans le Seigneur des Anneaux? Très, très, très agréable comme personne. Une mentalité presque masculine. Oh. Aïe, aïe.
Elle était drôle comme un homme. Il n'y a rien de plus agréable qu'un homme avec un vagin. Ça, on va se le dire. Oui. Elle n'est pas compliquée comme les autres bonnes femmes. Elle était agréable. Elle s'habillait que... en basket. Elle suce et elle s'en va. Mais c'est exactement ce qu'il veut dire. Ouais, ouais. Attention, pas de game, pas de chichi. On le voit bien, hein, ce qu'ils pensent des filles. Hein? Le maudit chichi. Ah, ça veut tout le temps tout parler le temps de sa gueule et de rouge à lèvres. Ben oui, c'est bien les femmes. Bon. Elle dit ce qu'elle pense, drôle, etc. Lors de notre soirée, elle m'avait mentionné qu'elle aimait les filles aussi à l'occasion. Mm. Quand t'es saoul. Quand t'es saoul dans son char d'occasion. Bon. L'été continue et j'écris constamment à ces deux filles. Soudainement, l'idée de génie ou de tata survient. Est-ce que je suis capable d'avoir mon ultime fantasme? Est-ce que je suis capable de mettre la table pour un trip à trois? Bon. Je voulais que ça se passe autour d'un souper, j'imagine. À l'intérieur d'une semaine... Les gars, avez-vous déjà fait un trip à trois? Trip à trois? Mm-hmm. Là, là? Pas là, là! Pas là. Vous avez dit ça? Ben, tantôt, j'ai eu un genre de trip à 504, là, tu sais. Ah, ouais. Il y avait bien du monde qui regardait. Mais... Moi, c'est parce que j'ai trop peur d'être trop boy avec l'autre gars, là. À l'intérieur d'une semaine, je réussis à faire accepter l'idée aux deux et notre date commence. Ouh là là. The Origin. Nous sommes vendredi. Il est 4 h p.m. Ça cogne à la porte. Annabelle se présente chez moi avec une robe hyper sexy. Il y a des bandes de tissu. Hein? On a venu une radio de Québec ben en oui, deux secondes. Il y a des bandes de tissu. On fait tirer des t-shirts. Appelez-nous. Il y a des bandes de tissu qui lui parcourent tout le corps et surtout ses immenses seins. T'es qui, toi? Non, mais... Hein? Papa? Il m'a dit, je suis ton père. Mettons, là, j'ai une question, là. C'est souffrance d'amour. Hey, hey, show Bob. Hey! Ben oui! Oui, ça va bien? Ah. Oui! Pourquoi? Je sais pas, Cédric, c'est Sideshow Bob ou souffrance d'amour, c'est les cheveux rouges. J'ai checké, puis on dirait Sideshow Bob. Là, je connais. Je connais, je connais. Ouais, là, ça pue. Tu le connais de où? Le poussin de bar. Ah! Plus maintenant. Bon, ben, coudon. All right. Tu peux le garder, vous pouvez le garder. Yeah, hey, hey. Merci. Mais tout le monde est beau, c'est tellement... Pas tout le monde. Ah, oh, mon... Ça suffit, là, ça suffit. Pas tout le monde. Ouais, la majorité. C'est un rond. Mais il y a des gens, tu sais, ils ont d'autres aptitudes. Ils ont d'autres aptitudes. Oh. Oui, quoi? Ça se vend combien, le beau rond de piste que Cédric vient de faire, ça? Là, sur son... C'est pas Chantal tout nu, ça! Ça, on le donne pas, on le vend, là. Ça paraît pas comme ça, mais c'est le début d'une boule. Une boule de quoi? Une boule à Chantal. Oh, pouf, oh. Vous, c'est juste quatre personnes. Oh, la boule à Chantal. C'est Chantal, ça? Oui! On le reconnaît tout de suite. C'est super subjectif. Bon. Comme la grosseur d'un pénis. Oh, le plaisir qu'on a. On a du fun. On a du fun. J'ai jamais été aussi chaud de toute ma vie. T'es sérieux? Pour être bien honnête, là, j'ai jamais été aussi chaud. Oh my God. Puis je vais prendre mon char, là. Essayez de m'arrêter, j'ai même pas de permis. Oh, oh, oh. Ça fait combien d'heures qu'on est là? Pas vrai, pas longtemps. 6 heures. Non, OK. Ben, je vais y aller avec la suite de la date. Oui, pas longtemps. Faudrait peut-être se recommencer au début, je me souviens de rien. Coup de théâtre au pluriel. Pour vrai, les gars sont mêlés, pour vrai, même. Bon. Non, vas-y. Nous sommes vendredi, il est 4 h p.m. Ça cogne à la porte. Annabelle se présente chez moi avec une robe noire hyper sexy. Il y a des bandes de tissu qui lui parcourent tout le corps et surtout ses immenses seins. Un genre de corset ou de bustier. Si la robe avait été en cuir, ce serait une kit de sadomaso. Mais là, c'est un tissu doux, style satin et compagnie. Quelle compagnie? Satin et compagnie? Non, c'est pas Calinette, c'est enchaîne. Pas une compagnie, le satin. Enchaîne. Arrête de penser business, enchaîne. Ben, on peut monétiser ça, non, là. Non, enchaîne. On va monétiser le satin. Oui, mais enchaîne. Bon. Mais là, c'est des tissus doux,
style satin. Il l'a déjà dit, style sadomaso. Ben, je relis la même phrase. Mais là, c'est des tissus doux, style satin et compagnie. OK, là, je l'ai pogné. C'est pas de on bon va goût. On va l'avoir, tout le monde. C'est pas de bon goût dans un 5 à 7 de chambre de commerce. Voyons donc. Mais la robe idéale. Dude. Ah, il dit que c'est la robe idéale pour faire un trip de cul. Elle sort des edibles de cannabis. Edible. Des edibles. Ah, oh, ça c'est bon, des edibles. Non, loi 101, là. Edible. Elle sort des mangeables de cannabis venant du BC. Je me rappelle de ces jujubes-là. Elle m'en avait fait prendre. Tournez la page. Ouf. Ouf que c'était fort. Nous en prenons une moitié chaque et on se sert un verre. 5-1. On cogne à la porte. Maud arrive. C'est toi qui interprète Maud? Oui. Chandail simple. Pantalon ordinaire. C'est presque un kit de fin de semaine pour écouter des séries toute la journée. Bouh! Ah, le monde normcore, hein? Elle pogne un 2 minutes en me voyant avec ma chemise noire et mon pantalon propre accompagné de madame qui a des straps sexy. Tu sais, une bonne strap sexy, là. Ceux que tu crains comme une slackline. Ah ouais. Ça, là. Et sa grosse paire de seins qui explose son bustier. Mais ben voyons donc. Continue, j'avais plus de fun quand c'est toi qui disais. Le malaise passe et l'alcool se met à couler. J'ai préparé un solide repas gastronomique. Ah ouais, j'ai hâte. Ça doit être bon. C'est sûr, c'est des bagels au saumon fumé. C'est ordinaire, man. C'est un grand chelem maison. Oui. Du poisson. C'est la seule chose où presque je peux contrôler dans cette soirée. Ce gars-là est coucou banane. On prend un selfie à trois. Ben non, nous sommes tous souriants. Plus du tout. Ils ont pris un selfie. Tu mets ça dans story. Hey, sur le point de faire un trip à trois, lol. Mais genre, au début, il a dit, je vais couper dans le gras, tu sais, c'est une longue histoire. Là, il est comme, je me mets à faire à souper. On prend un selfie, tout le monde. C'est particulier. C'est un peu longuet. Non, mais le reste, c'est fou. C'est surtout particulier parce qu'après, il dit, les filles se disent que peu importe ce qui se passe, elles veulent garder contact. Oh, cute! Hey, tout le monde ici, là, c'est une astuce de soirée à soir, on se lâche pas, on se fait des soupers, hein? Ah ouais. Ouais, on garde contact! On garde contact! Dans mon 5 et demi, toute la gang. Calice. J'aime le monde. Attention, c'est pas fini. 7h. Ah, c'est magnifique. Chantal, t'es belle. Tabarnak. Hey, on reconnaît tes deux beaux yeux roses. Oui. T'es très belle, Chantal. Un regard perçant. Ah, pourquoi je comprends pas Preach? Je te sautais dessus, moi, si j'étais Preach. Mais pour vrai, c'est la toile la plus réaliste que t'as faite à date, je trouve. J'aime à quel point tu t'appliques. Oui. C'est quand même long parce que c'est long. Puis on a une surprise en plus, là. Oublie pas l'ombrage, là. L'ombrage, le point de fuite. Non, hey, dis pas à l'artiste quoi faire. Ah, ouais. Pardon. À part ça, Cédric a une question. Oui, c'est ça. Je me suis jamais fait parler de même. Ma question, c'est-tu pertinent, c'est-tu pas pertinent, tu sais? On sait pas. Hein? Fais-toi confiance. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est que j'ai eu un moment de doute. Parce que je me disais, tu sais, il va falloir varier d'un couleur pour créer de l'ombrage. Finalement, puis là, j'ai tellement de couleurs. Là, je me disais, tu sais, si je fais deux ronds beige, là, tu sais. Là, j'ai fait le contour du tonton en genre de jaune foncé. Ouais. Puis j'ai regretté. Oui. C'est vrai que je trouve que c'est beaucoup d'explications pour deux gros totons sur une toile. C'est beaucoup d'explications. Fait que l'autre d'après, je pense pas que je vais le faire. C'est-tu grave? Non, c'est pas grave. Ben non, mais c'est vraiment libre, pas grave. T'es libre. Ouais, il y en a un avec un auréole doré, c'est tout. T'es libre. Ça va être ça. Mais oublie pas de faire ses petits yeux au-dessus. Ouais. Qui regarde par-dessus tes satorons, là. Genre, on se croirait dans le Titanic, c'est pareil. C'est pareil. Bon, on t'est rendu à 7 heures? 7 heures arrive.
Bonhomme, 7 heures. Faites attention, tout le monde. 7 heures. Nous sommes à l'extérieur à boire et Annabelle décide de sortir un jeu de cartes coquin. Wow! Il joue à bataille cochonne. Ah ouais. Normand Damour aurait capoté. Oui. Je vais à la salle de bain rapidement et je reviens. Une drôle d'énergie s'est installée pendant cette mini-pause et je n'en fais pas de cas. Maud lit la carte. Raconte ta pire date. Annabelle déclare presque théâtralement « Ma pire date, c'est avec toi, Martin, et c'est ce soir. Ah. » Oh! Ouch. Elle quitte et pleure dans la maison. Ah. Mais non, elle n'a pas quitté, Chris. Dans la maison, ouais. Ah là, il a écrit « Coup de théâtre ». Oui. Il fallait le dire en même temps. Oui. Il fallait le dire en même temps. Il fallait le dire en même temps, OK. Oui. Coup de théâtre. Ça va venir souvent, ça. Je comprends pas du tout ce qui vient de se passer. Nous non plus. Je me tourne vers Maude. Elle est aussi confuse que moi. Elle me dit qu'elles se sont parlé les deux et ont réalisé que j'ai couché avec Maude après avoir rencontré Annabelle. OK, oui. Mais elle le savait. Je comprends plus rien. Maude veut s'en aller chez elle, mais elle est déjà beaucoup trop alcoolisée pour conduire. On attend 20 minutes. Et elle finit par aller la voir. De quoi? J'attends 20 minutes seule et je vais à la salle de bain à nouveau et j'entends des sons. Des sons de... Ah non, pas ça. Des sons de jouissance sortent de ma chambre, mais exagérés, forts. Coup de théâtre. J'ouvre la porte et surprise, je vois le corps de Maude à plat ventre, la tête entre les jambes d'Annabelle. Je regarde un moment et on m'invite à m'avancer. Ça part, là. Comment t'invites à avancer quelqu'un dans un cul? Comme ça! Bien. Comédien de l'art. C'est pantalon! Voyons, on n'a jamais fait ça? Ouais, c'est... Ça me tente, je suis excité. J'irai, ouais. Viens au midway après. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je regarde un moment et on m'invite à avancer. Le reste est un peu flou. C'est difficile de suivre avec toutes ses mains et tous ses seins. Ah, je suis d'accord. J'aime tellement ce gars-là, man! Là... Et juste deux mains! Trop de seins! J'ai fait mes maths faibles, mais il y a une limite de mains et de seins là, qu'il peut avoir, là. Il n'est pas couché avec un coléoptère, là. Scutigeur véloce, là. Ah, oh, mon Dieu, OK, ça finit, ça va bien. Nous finissons par tous jouir. Nous quoi, finissons? Nous finissons. Time out. J'y crois pas que ce gars-là, il a joui en même temps que deux femmes. Il a pas dit en même temps. Ben, ouais. Il a dit tout le monde a fini par jouir. Est-ce que vous croyez que tout le monde a joui? Wow. Quoi, ce show-là pour enfants sexuels? Non. En plus, il y aurait plus d'enfants que Cédric, mec. Cédric est très enfant. Oui. Ouais. Ouais. L'enfant ben, la voyons plus voyons donc, c'est Chantal, du ça. Oh, Chantal a l'air d'un quoi, genre de gros dildo. C'est ça, Bob! Un pénis! Ben oui, sa tête a l'air d'un bot plug. C'est quoi, ça? C'est Chantal, je te jure, t'en ressembles pas à ça. Et pas peur. T'en ressembles pas à ça, Chantal. C'est pas fini. Donnez-moi 15 minutes. Ben oui. 15 minutes? À date, la tête de Chantal s'enfoncerait bien dans un trou de cul, là. Bon. Là, là, là. Ça, on l'a dit. Hey, Chantal, on se lâche pas. You're the player, although EA Sports, it's in the game. Bon. Nous finissons tous par jouer. Et je demande à Maude de quitter pour que je puisse parler à Annabelle. Ben, voyons donc. C'est inacceptable, ça. Révélation qui totale. Fait un trip à trois? Tout le monde jouit. Hey, tu peux-tu sortir de ça? Tu peux-tu t'en aller? Il faut que je parle à ma chum. Oui. Oh, lui, il va briefer le monde individuellement. Ah, ouais. Bon. Révélation totale, elle me sort un clin d'œil. La revue, j'imagine. Oui, oui. C'est ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle a enlevé son œil de pirate. Ping! Bon. Elle me dit qu'elle est en contrôle de tout et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Coup de théâtre. Aïe, aïe. Je suis maintenant... comme une nouvelle de Michel Tremblay. Ah, ouais. C'est les belles-sœurs, ça.
Je suis maintenant très inquiet. Je réalise que c'était un genre de piège pour starter la soirée. Oh non. C'est sûr que ça ne va pas bien se finir. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre que de continuer. C'est une montagne russe et je ne peux plus débarquer. On dirait une chanson d'Alexandre Bruno. Ah oui. De qui? Alexandre Bruno. C'est une montagne russe, mais je ne peux pas débarquer. Non, ça marcherait. Oui. Roxane, si tu nous écoutes, vole la ligne. Oui. Vole la ligne. Oui, on te la donne à la veuve, c'est sûr. Mais oui, à ma manière. Une montagne russe à sa manière. Bon, je quitte la chambre et révèle à Maude de ce que je viens de comprendre. Pas compris la langue française, hein, dans cette trip à trois-là. Ça. Nous nous donnons la main de manière figurative. En sortant de la chambre, là? Figuratif, là. Ouvre ton esprit. Oui, oui. En se disant que nous sommes pris ensemble là-dedans jusqu'à la fin de la ride. Là, je l'ai dit en anglais parce qu'en français, c'est la ride. Mais là, je comprends. Attention, Annabelle est de retour verte. Oh, tabarnak. Complètement. Oh, oui. Coup de théâtre. Oh, oui, les Guardians of the Galaxy. Come on! Oh non, OK, attends un peu, je viens de lire. Elle vient de vomir dans mon lit. Pas à côté. Pas dans une des trois poubelles autour. Ce gars-là dort entre trois poubelles. Aïe, aïe. Je sais pas si c'est super propre ou super sale. Trois containers verts, là. Ce gars-là, c'est papa dans petite vie. Non. Ça pue. En tout cas, c'est sûr, ça pue. Pas dans une des trois poubelles autour. Dedans! Je suis un trooper et je starte une brassée. C'est un trooper. Quand est-ce que cette phrase-là a été dite? Eh oui, je suis en train de faire une brassée de lavage pendant un trip à trois avec une drama queen qui a monté une pièce de théâtre pour pouvoir jouer. Je n'ai jamais vu ça dans un vidéo de porn. J'ai vu des sécheuses dans des vidéos de porn. Et des draps contours qui se défont pendant la... Mais jamais une vraie brassée. On passe au prochain acte. Il est pas bien. Tabarnak, c'est bien long, calice d'asti. Hey, c'est seconde par seconde, cette baisse-là. Ben oui, c'est 16 secondes. Voyons donc, il y a combien de temps? Marcel Proust, asti, qui a baisé. Il étend la brassée, sa corde à linge, puis il fonde une famille. On va y aller plus. On va y aller plus. Vous en lisez combien par épisode, Dédé? Ça dépend. On va y aller plus expéditif, là. On empêche Annabelle de boire. C'est inacceptable. Ça, si elle a soif. Ben oui. Ah oui, de l'eau, hein, selon toi. Mais elle se met à fumer des joints comme s'il n'y avait pas de lendemain. Sacré Annabelle. Pas moyen de rien dire. On sent qu'elle n'est pas bien. Je réalise que je suis vraiment chaud. Maude aussi. Le soleil se couche. Attends un peu, là. Il est juste 9 heures. Ouais, il est juste 9 heures parce qu'ils ont commencé ça à 5 heures. Ouais. Attends un peu, là. Ça veut dire que Macaroni tout garni est encore à TV, là, pour l'instant. Tabarnak. OK. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais l'idée d'aller prendre une douche à trois est lancée. Bon, pour vous autres, hein, clairement. Ben, bon. Ben oui, Chantal est blonde. Ah, ouais. Hey, c'est beau, c'est joli. Hey, non, j'aime ça. La plus belle t'as faite. On dirait beau. La Vénus j'aime, de j'aime le couteau. C'est quoi le gros spot rouge qu'elle a en dessous des seins? C'est Sideshow Bob! Ouais. Elle est menstruée. C'est menstruée. On dirait qu'elle s'est tirée une balle c'est de fusil dans le les deux, c'est ça, je vois, et menstruée. T'es pas menstruée du chest. Ah, ben non. Un peu, non? Non, OK. C'est biblique. Je vais expliquer mon œuvre à la fin. OK. Faut pas questionner l'artiste. Bon, OK, on a l'idée de prendre une douche à trois. On se souvient, tout le monde? Ma douche est immense! Et nous entrons aisément les trois. Plein de jets d'eau partout. Plein de caresses confuses. Plein de positions sont adoptées. La dernière image qui sera gravée dans ma tête pour toujours est de voir les deux filles étendues sur le plancher de la douche qui me regardent moi. Quoi? Quoi? Virgule, changement de paragraphe. Qui est encore debout? Ah, c'est bon ça. Ouais. Elles sont brûlées et satisfaites. Cochon. OK. Est-ce qu'on croit qu'elles sont brûlées et satisfaites? Non! Ils sont tellement tannés qu'ils se couchent en boule dans le fond de la douche. Man. Ils ont juste mal à la tête parce qu'ils ont fumé trop de weed. Ils sont, ben oui, ils sont couchés à terre. Ils sont couchés à terre parce qu'ils font le mort. Ils sont comme nous, dans le fond. Ils sont comme nous. Fatigués. Ils sont glissés dans la douche puis ils ont fait une commotion. Ah oui.
Ils font le mort, là, comme avec un ours. Ils sont là comme ça, au fenêtre. Bon. Je suis déçu de moi. Ben oui. Car je dois me parler fort pour pas avoir la tête qui tourne. J'ai trop bu. Tiens donc. On se sèche. OK. Hey, ça va être vraiment dans tous les... Il y a des énormes séchoirs comme ça, à la douche. Tu sais, le truc bleu qui allume. Bon, on se sèche et Annabelle s'écrase sur un petit divan, deux places. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que ça, c'est un auditeur là, de couple ouvert. Là. Comme lui, il nous aime. Ça, c'est notre public, ça. Ce gars-là, c'est il faut le raconter. On accepte tout le monde. Non, il y a des gens qu'on accepte moins. C'est vrai, t'as raison. Bon, là, dans l'histoire, là, Annabelle est rendue effoirée sur un divan à deux places, OK, tout le monde? Elle n'est plus réellement là et elle ne veut plus rien savoir de personne. Dommage. Soit. Dans le sens, pas l'escouade tactique, là, mais... Soit, là, dans le sens que ainsi soit-il. Je ne vais pas la laisser briser le mot de la soirée avec ses plans bizarres et ses réactions démesurées. Mon coup de théâtre! Mon était en majuscule, ouais. C'est pour ça qu'on a crié. Je vais rejoindre Maud dans ma chambre et nous continuons des ébats à deux pendant plus d'une heure. La porte est ouverte. Pour faire sûr qu'elle entend tout, je ne me suis jamais vengé avec du sexe, mais c'était réellement satisfaisant. Hein? Ah, attends, je comprends rien. Il se venge de l'autre. Le Kill Bill du sexe. Non, mais... parce qu'il s'est vengé parce qu'Annabelle, elle veut plus rien faire. Fait que ouais. Fait comme, ah, puis lui, il s'est vengé avec l'autre fille. M'a ramené, la tabarnak. Ah, OK. Ah. Ah, c'est un vrai prof d'éthique et culture, ça. Bon. Le lendemain matin. C'est long. Ouais, ça n'a pas de bon sens, man. J'ai tellement envie de pipi, là. Hey, moi aussi, j'ai envie de pipi. On va y aller les deux en même temps. Le lendemain matin, j'ai été parler à Annabelle pour m'assurer qu'elle était correcte. Elle me sort qu'elle est amoureuse de moi, bon, et doit s'en aller immédiatement. Non, est-ce qu'on croit qu'elle est amoureuse de lui? Non! Ça, là, dans des millions d'années, ça va être le Tristan Iseux moderne. Les gens vont se lire ça, faire des adaptations. Il y a moyen de faire ça au petit Prospero. Oh, attends, c'est une belle peinture. C'est beau. Non, là... Wow. C'est beau. C'est incroyable. C'est... Ça ressemble-tu, Chantal? Elle a dit « Wow, oui! » Wow, oui! Pareil, c'est comme si vous l'aviez vu nu. Bon, le lendemain matin, j'ai été parler à Annabelle pour m'assurer qu'elle était correcte. Elle m'assure qu'elle est amoureuse de moi. Oui, elle doit s'en aller immédiatement. Elle quitte. Je l'ai bloquée sur Facebook. Ah non, je ne veux pas recevoir de romans dramatiques. OK, attends un peu. Là, il n'y a pas les romans! Il n'y a pas les romans! Il n'y a pas les romans dramatiques, ce homme-là. Ça! Coup de théâtre! Il n'y a pas les romans. Il reste deux paragraphes, tout le monde. Oh my God. Ça finit très bientôt. Là. Est-ce que tu peux les chanter? Oh, les chanter? Ouais, rap-les. Rap-les, il faut faire un beat, mais comme... Mais non, mais ça rimera même pas. Un qui fait un beat, l'autre qui rappe. OK, peut-être pas. C'est quoi ça? Oh, pour vrai, je suis quand même sous. Ben non, applaudissez pas ça, Colin! Oh! Wow! T'as mis Chantal Super Saiyan, elle est rendue toute blonde! C'est très beau. Enfin, t'arrêtes de fumer tes pinceaux, là. OK. Je te finis ça, là. Illico pesto. Chantal, ton fils, il va rien comprendre. Elle a un fils? Bon. Que ton fils? Elle a un fils. Hein? C'est une femme, fait qu'elle peut pas écrire. C'est une femme, elle habite avec son fils. Ouais. Mmh. C'est pas bizarre, quelqu'un qui a un enfant, là. Oui. Ça donne envie. Finalement, j'ai reçu quelques courriels à mon... C'est la fin qui m'a surpris. Finalement, j'ai reçu quelques courriels à mon travail. D'elle. Waouh, ça c'est hot! Il l'a bloqué. Ah, fait que là, elle a trouvé une autre façon. Si tu t'as fait jouer une femme, ça t'écrit à ton adresse de job. Ah, ouais. Hostie, trop de cul professionnel à commercial@gmail.com. Ensuite, j'ai reçu des textos. Pendant quelques mois, je recevais des messages. J'ai résisté à lui réécrire. Finalement, elle m'a supplié d'avoir une réponse. Ben non. J'ai été poli et direct sur le fait qu'on ne se verra plus jamais. Et encore aujourd'hui,
j'ai résisté à la tentation d'avoir un autre chapitre de cette pièce de théâtre. Il en manque. Complètement absurde. C'est fini? Ça ouais. finit à la fin. Oh. Comment il s'appelle, lui? Eugène Ionesco. Eugène. Les gars, vous voulez aller aux toilettes? Allez aux toilettes, on va lire une date. Faut que j'aille piping. Allez, les deux. Mais est-ce que cette personne-là est dans la salle? Non, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. T'as du plastique. Il y a du plastique, sa chaussure. Mon amour, aussi, cette date-là. Une autre date? En passant, c'est un public incroyable. Quand je suis sous, faut que je le dise. Ça y est, ça part. Ouais. J'ai oublié qu'il y avait l'autre gars. Ouais! Olé! 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 Oh my God! Cédric! C'est pas à la fête du Canada que tu vas vivre ça! Non, t'as bien raison! T'as bien raison. Cédric. Vas-y. Au vrai, si on voulait, là, on prend les armes puis on prend le pays là, là. T'as raison. Avec les deux gonfleurs de prostate. Ouais, là. Ouais. Parce que Pierre Trudeau est trop... Pas Pierre Lotte, mais Justin Trudeau... Justin Trudeau est trop occupé à chicaner avec l'Inde. Que... Ouais. C'est de Rick! La date! Vas-y. Ah, oh, j'ai aucune issue, man. Salut à mon couple, bref, ainsi qu'à vos invités. Profites-en bien, mon esti. Je joue jamais. Voici mon histoire. J'ai rencontré un gars culturiste dans un bar à Montréal. Taste! Oh, ouais! À ce moment, il était sur le party, mais super gentil. Deux contradictions étranges. Il dégageait une bonne énergie. Nous sommes donc donné nos numéros. Hop là! Non! Touche pas à toi! Non, il va pas. Mais attends, Sébastien, celle-là est finie. Celle-là est finie, par exemple. Donne-la à Chantal! Infini. Ah, ben non, oui, signé. Il manque son gars, beau sourire. Infini, celle-là. Non, infini. Pour vrai, c'est misogyne de ta part. Je m'excuse, mais hey. C'est ma toile préférée en 3 ans de podcast. Wow! Je vais redonner... Non, il avait commencé. C'est... Oh! Là, je suis excité. Assoyez-vous sur moi. Regardez-les. Assoyez-vous sur moi. Et voilà. Attends un petit peu. Moi, je vais m'asseoir là-dessus. Oh! Et hop! Justement, s'il vous plaît, quelqu'un, amenez-nous des shots parce que la prochaine date est fucked up. Non, je peux partager ça. Non. Ils m'ont forcé. Hey, 3 beaux paniers d'épicerie, hein? Vous êtes beaux. On est beaux, mais ça pue. Donc là, on tient à se rappeler qu'on parlait d'un gars dans un bar culturiste. Que Steph, ça l'excite beaucoup, puis ça m'a pas dérangé. Je comprends, si... Je m'en calisse, mais je m'en fous. J'aimerais être culturiste. Donc, là, la personne en particulier... Les gars, le show est filmé, c'est pas nécessaire. C'est normal, parce qu'avant un trip à 3, tu prends un selfie. Normal. Oh.
Je sais pas si le show est bon, je suis juste pacté. Vrai? Maman, je fais ça pour toi. T'es morte pour ça. Le cancer des os a créé ça. Oh. Maman, c'est fini. Ouais. Pourquoi c'est fini en esti pour Gilbert? Vas-y, Cédric, là. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, Cédric. Ma grand-mère sur Facebook cette semaine, elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Oh. Pour vrai? Je pense qu'elle regrette ce soir. Moi, ma grand-mère, avant de mourir, elle m'a baptisé en secret parce qu'elle croyait vraiment à ça. C'est bizarre. Hey, t'es pas le premier qui dit ça aussi. Ouais. C'est tout. Okay, moi aussi, oui, c'est mais tout. Elle m'a baptisé en secret. Oui, oui, ok. Super. Elle l'a dit sur le lit de mort à mon père, puis mon père a dit je m'en calisse, puis elle est morte. Non, sur son lit de mort à elle. À elle, lui, il est correct. Je sais, ton père est vivant, je suis désolée de te l'apprendre. Ouais. Non, il va bien. Ah, oh, j'ai appris qu'il y a des amis de mon père qui disent ce que je dis sur lui. Ok, oui. Il m'a dit c'est correct. Ah, oh, wow. Ouais. Il y a vraiment le sens de l'humour. Ouais. Puis il y a du monde qui veulent me battre dans sa famille, oui. Il y a du monde, il y a des Levaques qui veulent te battre? Ouais. À cause de ce que tu dis? Mais vu que les Levaques, c'est des lâches, ils font rien. Ah. On part-tu notre off couple ouvert? Ouais, vas-y. OK, alors, j'ai revu quelques jours plus tard, un soir pour une date chez lui dans un condo à Brossard, évidemment, à Brossard. Avez-vous essayé le nouveau REM? À mon arrivée, le gars me dit qu'il est brûlé de sa soirée de la veille sans me donner plus de détails. Là, je dois vous dire que je me rappelle pas s'il y avait un divan dans son salon, mais nous nous sommes plutôt couchés sur un matelas qui était placé par terre dans le fond de la pièce, évidemment. Ça me surprend pas. Oui, oui, oui. L'ancienne chambre de Thomas. Ouais, mais j'ai eu ça moi aussi, je peux pas le plaindre. Oui, 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 je sais, c'est sketch. On se met à jaser et là, ça commence à sentir la pisse. La quoi? L'anis? La pisse, l'ancienne chambre de Thomas. Je dis rien pour ne pas créer de malaise tout en essayant de trouver d'où provient l'odeur qui est de plus en plus intense. Ah ouais. Ben, tabarnak! Hein? Je me rends compte que je suis littéralement couché sur un endroit d'où provient l'odeur de la pisse. Oh. Voyons, si sa chambre, c'est-tu à la station Berry-UQAM? Je me lève, puis je m'assois sur le bord du matelas, puis là, je vois un vibrateur blanc style Magic Wand qui traîne par terre. Je dis alors que c'est fucking dégueu son affaire, puis qu'en plus, ça pue l'urine. C'est alors que ma date m'explique de façon beaucoup trop relaxe qu'il y avait bien du monde chez lui hier soir. Des gars, des filles qui ont baisé, puis que c'est sûrement l'un d'entre eux qui a wipé et uriné sur le matelas après avoir consommé trop de jus. De jus? De jus. C'est parce que Dieu sait que les petits jus Oasis, oui, ça fait pisser. Ben, ouais, c'est sûr. Hey, attends un peu, Sunny Delight, là, boum, boum, comme de la dynamite. Ouais, 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 bébé. Je sais pas si t'as déjà fait un 3 litres de Kool-Aid après un petit jogging, mais ça fait pisser. Quelqu'un sur Internet qui clique là-dessus puis qui voit ça, pour la, genre couple ouvert, c'est la première chose qu'il voit, il comprend rien. C'est trois dudes embobinés l'un dans l'autre. Un gars qui est... Qui lise un texte. Avec une fille des gros tontons. Hey, pour vrai, ça serait génial que YouTube nous démonétise. Hey, ben non, viens finir ton histoire. Il a hâte de donner à Chantal son cadeau. C'est ma plus belle œuvre à vie. Merci. OK, là, si vous ne vous doutiez pas déjà, je suis off. Bon. Ben oui, on s'en doutait. Merci de le préciser. Et je veux vraiment rentrer chez nous parce que mon plan de la soirée n'était absolument pas de venir me rouler dans le pipi séché d'un lendemain d'ongle. D'orgie, excuse. Ça ressemble. Hein? Orgie pis ongle. Ça se ressemble. On prend rien quand de lendemain de ronde et de non, lendemain d'orgie. Le R, le N, le I, le L. Orgie, ongle, ça se ressemble. C'est pour ça qu'ils parlent pas souvent dans nos podcasts. Oh, oh non! Merci, merci, merci. Merci, merci. Ton prénom? Merci. Ça pue. Mégane, merci Mégane. T'es Mégane, super. Meilleure fille ever. Pour vrai, t'es meilleure que Marie Curie. Ouais, ah, ouais. Mais ouais. Pas que Pierre Curzi. Ses calepins sont encore radioactifs. Ouais, c'est fait. Pour vrai, je sais plus jamais comme avant. Je pense que c'est fini. Faut-tu le voir? Oh, attention, attention, on est plus à Sunshine. Ben oui, c'est de la pisse. C'est ça qu'il y a quelqu'un dit, hein? It was pee-pee all the way.
Moi, j'ai cancellé ce que j'avais demain. On est rendu où, là, Thomas? C'est-tu encore lire, toi? OK, on est un show devant du monde. OK, j'en reprends. On est-tu à mi-chemin, maintenant? Juste pour savoir. Ah, t'as pas eu, on va faire un selfie. Yata! Aïe, papé! OK, là, on reprend. OK, là, si vous en doutiez pas déjà, je suis off. Je veux vraiment rentrer chez nous parce que mon plan de la soirée, c'était absolument pas de venir me rouler dans le pipi séché d'un lendemain d'orgie. Alors, j'ai décidé que je pars et ma date m'accompagne vers la porte de sortie. Tabarnak. Mais en croisant sa salle à manger, je vois des coulisses verdâtres sur le mur. Taste! OK, ça ressemble à un chair film... de poule. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est chair de poule. C'est chair de poule. Ben, croyez-le ou non, esti, sans que je le demande, Monsieur le Prince Charmant m'explique que son ami, lui, ont fait squirter une fille sur la table. C'est quoi, l'hostie de rapport? Elle tape à squirter vert. Elle a squirté vert. Squirté vert. Elle doit voter Québec solidaire. Elle pousse vert. Ben oui. Elle squirte vert. Squirte vert. Squirte vert. C'est ça, être environnementaliste aujourd'hui. Lis, mon beau cochon. Donc, ce qu'elle dit, en gros, c'est que la fille, là... Les gars, juste, arrêtez de nous encourager. Pour vrai, faut que ça cesse. C'est... Ah, non, mais non! Non, 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 non! Tabarnak! Non. Avec deux bouteilles d'eau, trois... Bouteille d'eau, OK. Bouteille d'eau, c'est correct, là. Ah, de l'eau! Ça va, les bouteilles d'eau, là, mais les shots... Les shots arrêtés pour vrai, là. Non, non, mais ça va se finir en cours. On va toutes vous poursuivre, ça. Merci. Merci. Ah, tabarnak, je viens de me rendre compte, j'ai encore le butt cloud dans le cul. Tiens, Cédric. Merci, Stéphane. T'es pas fin, si c'est criminel. C'est gentil. Merci. T'es un empoisonneur. On va le boire avant la prochaine date. La prochaine date est exceptionnelle, c'est fou. C'est notre meilleur de l'histoire, c'est notre meilleur. OK. Ça c'est un homme, c'est la meilleure de l'histoire. Ouais. Oh de shit. L'histoire. Oh ouais. Mais vas-y, continue. Ben oui. Vas-y, deep throat, le micro. Je suis juste peintre les Non non, lis. OK, parfait. Ben, croyez-le ou non, esti, sans que je demande, Monsieur le Prince Charmant m'explique que son ami et lui ont fait squirter une fille dans la table à manger hier soir, puis que Jay est allé sur le mur, puis que c'est... Ah, je m'excuse. Quoi? Mais non. J'ai de la misère à croire que Jay une squirt, c'est vert, là. Squirt. Puis que ce fameux Jay était d'une couleur étrange. C'est sûr que c'était une alien. Il prend aussi le temps d'ajouter que la fille souffrait, selon lui, d'une infection vaginale. Ah! All right. Impossible. So, la fille est femme fontaine, mais elle file pas de ce temps-là. Ben non. On s'entend-tu que mes ovaires me criaient et me suppliaient de crisser le camp de là? Fait que j'ai fait exactement ça. Ah, oh, bravo! OK. Voici ce que je vous propose. On lit une date tampon, puis après, on lit une date exceptionnelle. La date exceptionnelle est bonne, est bonne. Mais je veux juste savoir, y a-tu un infirmier dans la salle? Pourquoi? Oui, ici, je suis infirmière. C'est-tu possible de squirter vert? Je pense pas. Donne-la Chantal. Merci, Chantal, pour ta présence. Merci, Chantal. Rassurante. On lit une date tampon, super drôle. Après, on part. Let's go. Tellement pour vous mettre hâte en contexte. Raconter mon week-end à ma mère. Ah, prends le... c'est-à-dire... Ah, oh, OK, il est parti. Non, oui. Prends le gros canevas. Chut, ben oui, Chris. Quoi? Ah, il rend... Tout va bien. Il est rendu fou, il fait de l'erreur. Excuse-moi. Excusez-nous. OK, pour vous mettre en contexte, je suis une femme de 23 ans, pansexuelle, qui vit avec un handicap visuel, presque aveugle, mais bon, c'est la vie. L'histoire s'est déroulée. L'année de mes 18 ans, j'ai commencé à prendre le transport adapté puisque ma vision a chuté drastiquement. J'ai donc perdu ma job de secrétaire dans une bonne compagnie. La compagnie! Oui, mais là, secrétaire, c'est quand même tough, là, t'sais. Thomas, là, tu vas pas commencer à écler ton propre podcast, là. Bah oui, mais c'est la compagnie est pas correcte! Ben oui, mais je peux comprendre que c'est difficile. En tout cas, je venais de rompre avec mon ex, pas une grande perte, mais quand même, bref, une période de marde. À la recherche d'un nouvel emploi et ayant sorti tout mon attirail de séduction, c'est à ce moment que je l'ai rencontré.
au volant de son véhicule adapté. Il était charmant et beau, selon les critères d'une fille qui voit à 5 %. C'est malade. Il m'a lifté jusque chez moi. Yo, les golets, fourrez les aveugles! Il m'a lifté jusque chez moi et la ride était le fun. Il avait de la jasette et ça tombait bien. Il avait une belle voix. En arrivant chez moi, il m'a demandé mon numéro de téléphone d'un air gêné et conscient qu'il n'avait pas le droit, mais je lui ai donné. Je n'avais rien à perdre anyway. C'est ainsi que tout a commencé. On se parlait au téléphone pendant des heures, n'ayant pas grand-chose à dire, lui au volant et moi en marchant. Ah, OK. Aussi, on allait prendre des cafés presque tous les soirs. Quelques mois ont passé en toute amitié. L'information que j'avais à l'époque, c'était qu'il était en couple ouvert. Oui. On s'est rendu compte qu'on voulait plus que de l'amitié. En fait, je suis tombée en amour, moi, qui n'attendais plus rien de la vie, nageant dans le désespoir, les idées noires et la boulimie. Mais voyons la boulimie! Voyons donc! Quel beau Romain Lequin! All right. Pour vrai! Une fille aveugle... En dépression, qui mange, mais un fille. Ben oui, c'est ça. Mais un fille. Un best-seller de la courte échelle. Elle a pas dit je me déguste, là. Mais un fille. Okay. Ah, fait que pire fille? Non, je dis pas ça, je veux juste dire, il y a une différence entre manger et être boulimique. Mais un fille. Le côté comme elle mange, c'est le fun. Un friend de vomi. OK, on a fait l'amour pour la première fois le 26 décembre. C'était délicieux. C'était mon cadeau de Noël. Un an plus tard, de bon sexe, on a le projet d'aménager ensemble parce qu'on est tanné de baiser dans un char. Ayant signé un bail, mon déménagement était clairement planifié. Au début de l'hiver, il m'annonce qu'il est marié. Mais non! Et qu'il veut laisser une chance à son mariage. Oupsie! Ben voyons donc. Celle-là, je ne l'avais vraiment pas vue venir! Je vous épargne le drama et la tragédie grecque qui s'ensuivit. Afin de débuter le nouvel an du bon pied, il me texte une lettre de suicide. Ah oui, ben oui! Tranquille, tranquille. Bien évidemment, j'essaye de le rejoindre avant de contacter la police. Les policiers l'ont retrouvé à un coin de rue d'où j'habitais, en piteux état, mais en vie. Classique mariage. Ah mais ben oui. Qui essaie de se tuer au coin de la rue? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas, man. Quelques mois plus tard, je le sentais tout près de moi. Je nomme ça le radar de la cécité. En fait, il me suivait en char, parenthèse creep. Je ne saurais l'expliquer, mais là, un jeune, c'est quoi qui fait vibrer mon cœur? Ben non. Il abaisse bien. Elle aime ça, elle abaisse bien. Oui, mais il a su en char. Puis il est marié. Il est vraiment pas bon s'il... Il fait des menaces de suicide, là. Elle dit qu'elle sent... En passant, t'es vraiment un mauvais creep. Elle dit c'est le radar de ses cités. Elle l'a senti. Ma chérie, t'es un mauvais creep. C'est une aveugle... C'est ça! Mais elle a un genre de sixième sens. C'est ça qu'elle dit. Ben, c'est pas une chauve-souris, là, c'est-tu... Le radar de la cécité, c'est quand même un radar qu'il voit pas, là. Elle passe au temps. Parce que mon ex, il me suit. J'ai pas le choix. Faut que je le voie si ça revient. T'sais. J'ai pas le choix. Je l'ai dans la peau. Après une bonne discussion, je l'ai accueilli dans mon appartement en colocation avec des mulots. Attends, là. Ils ont déménagé ensemble. Je pense pas que les mulots, ils payent le loyer. Ce gars-là, c'est le lead dans Ratatouille, là. C'est qui, là? Mais elle dit, chef. Elle dit avec des mulots et ma vieille pitoune. C'est son chat. Ou c'est sa vieille blonde, non, là, tout ratatinée. Non, non, pour vrai, c'est qu'elle a acheté la pitoune, la ronde, puis elle l'a mis dans son appart. Le vieux. Ouais. Il était. Oh, il y a un gars aujourd'hui qui m'a écrit. Oh non, parce pas une parenthèse, aussi, Thomas. Une parenthèse à cette heure-là? Ouais, oh non. C'est du sérieux? C'est une soirée de parenthèse, là, faut arrêter. Voulez-vous ma parenthèse? Ben oui. Oh my God. Il y a un gars du Saguenay qui m'a écrit. Parce qu'à quelque part au Saguenay, il y a un gars qui a, il y a un avion de la cage au sport. Il y a quelqu'un qui vend un avion de la cage au sport. Hein? Ouais. Il y a un avion de la cage au sport. Ouais. Ouais, dans chaque cage au sport, il y a un avion. Puis il y a quelqu'un qui a juste pris l'avion. C'est simple. Le concept est super simple. Chaque cage au sport vend donne du popcorn et a un avion. Non,
y a un gros Saguenay qui vend l'avion du Cajou Sport. OK. C'est tout. C'est un peu drôle, non? On écoute... Un peu! C'est pas la meilleure affaire, mais c'est un peu drôle. On écoute tellement un homme ivre là sur scène en ce moment. Là. Puis là, il veut te vendre l'avion. Puis combien? Je sais pas. J'y ai dit, je suis occupé à soir. T'es-tu vraiment occupé? Il y a moyen d'y répondre, là, de faire un Facebook Live ou de quoi de même. Un petit FaceTime tranquille. Il m'a dit, je pourrais t'expliquer ça en voicemail. Oh. Parce que c'est un gars de Saguenay, hein. Faut pas, c'est pas facile. Oh. Je viens de là, c'est correct. Pas tu vraiment. Viens oui. De là? Pas ma mère vient de là, elle est morte. Oui. OK, rie ma mère morte. Vas-y. Eh où? Hey, t'as pas besoin de la double marquée, là, ça va, là, Thomas? Là. Pardon? Non, laisse faire, c'est fini. Là, c'est Bon, OK. Ma vieille pitoune, right? Il était cassé en procédure de divorce et endetté jusqu'au cul. On s'était dit, voyons où tout ça nous mène. Quelque temps plus tard, le confinement est annoncé. On a donc adopté un chat. 3 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble, heureux, en amour. Le sexe est incroyable. Leçons retenues, nous ne sommes pas couple ouvert. PS, oui, Thomas. c'était cette phrase-là. Était... Vas-y. Oui, Thomas. Les aveugles sont des coquins. Quand on voit pas, on touche. Messieurs, il y a un gars particulier qui nous a écrit 3 dates différentes. Là, ce qui est particulier, c'est plus les dates avancent, plus ils sont horribles. Pour vrai, c'est fucked up. Cette personne-là, j'espère qu'elle est morte. J'aimerais ça que vous lisiez tour à tour le titre et la date. Parfait. On va commencer par toi et finalement par... Oui, parfait. Ben oui, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui. Hey, belle, c'est toi. Un homme ivre! On dirait Martin Dubreuil dans tous ses rôles. Oui, il est aveugle, Martin Dubreuil. Il est aveugle? Oui, tu sais pas. Il voit rien. En braille. Il voit rien, Martin Dubreuil. Quelle histoire. Êtes-vous fatigué, le Club Soda? Non, mais arrêtez de nous tenir en otage aussi. On a des obligations. On a tout du fun! Écoutez pas les soins. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de pays. Ils sont lâches. Hey! Pardon! Si Montcalm n'était pas sorti des fortifications en 1759... On l'aurait! Notre ministre aujourd'hui, ce serait Amélie Poulain. Elle parlerait Keb. Okay. Bonjour à toute l'équipe. Ça, c'est une belle manière de boire de l'eau. C'est une manière... Ça fait... Hydroélectrique. C'est l'or bleu. Bonjour à toute l'équipe. J'imagine qu'il parle à tout le monde dans la salle. C'est, oui. Autres, c'est oui. Cédric. Je suis un homme blanc de 37 ans, hétérosexuel. Bouh! Chou! Très pas à la mode. Je ne vais pas... raconter une date à proprement parler, mais plutôt 3 événements qui m'ont marqué et qui ont ponctué ma vie d'adulte. Ça se lira comme 3 courtes nouvelles, franchement. Ben non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est pas Guy de Maupassant. Oui. J'ai tellement ri, j'ai réveillé Steph tout nu. Oui. T'as réveillé Steph tout nu? Oui. Qui était tout nu? Elle. Toi, t'étais habillé? Oui. Décris-moi ton linge. Non. Je portais du linge Nike noir avec des shorts. Ah, très sportif. Ouais. Merci. Oui. Okay. Sans surprise, il est en jeu de basket. Y a-tu quelqu'un qui a vérifié que c'était pas David Goudreau qui voulait encore de l'attention? Peut-être. Ça, on devrait vérifier à chaque fois. On n'est pas à bonsoir, OK, bonsoir. C'est quoi le titre de la première histoire? Le titre de la première histoire. Ça s'appelle... Attends une minute, laisse-moi. Je voulais le dire en même temps. Comment qu'on dit avec le boost à la langue? Oui, ça s'appelle Sperme par la poste. Ouais. Sperme par la poste. Pour vrai, c'est malade. Pour vrai, c'est meilleur que le Coran. Mais je suis pas super bon à... Ben non! Ben oui! Tu peux pas dire ça, Thomas, là. Je vais le dire. C'est meilleur que le Coran. Ouais. C'est meilleur que le Coran. Tu penses que dans genre 2000 ans, les gens vont lire cette date-là? Puis ils vont voiler des femmes. Non, Thomas!
Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, Thomas, là. Attends une minute, là. Moi, je suis pas super bon à lecture à vie, fait que je vais lire tout seul avant de lire pour tout le monde. OK, ouais, prends le temps de le lire dans ta tête. OK. On part. Hey, go, est-ce qu'on part? Je vais prendre la voix. Si vous avez d'autres shots, j'ai pas. Non, j'en ai ici, là, relax. T'en as. J'en ai 12. OK. Sperme par la poste. La poste. Sperme par la poste. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je sortais avec une fille qui habitait en Abitibi. Rencontrée sur MIRC, je crois. All right. Yeah! J'avais 14 ans et nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans sans jamais se voir. OK. C'est l'amour, nous l'amour à distance. Nous écrivons des lettres d'amour et nous nous masturbions au téléphone. Je découvrais l'orgasme des femmes car je l'entendais bel et bien jouir dans le combiné. Très bien. Et je me masturbais avec elle. Et le but était de jouir en même temps au téléphone. Wow! Je jouissais fort. Mon amour! C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, on a fait ça. Ouais. Ça nous... Québec? Un French? Non. Pourquoi? Un French. L'odeur... Ah non, ça... L'odeur... Wow. Un bec. L'odeur, mon amour... Je pense que ça va bon. Ça sent tout attends ça. Attends un peu, je suis coordonnateur d'intimité. Ouais. Fait que là... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un bec! Vous allez vous frencher dans le respect. Touche son visage avec la main gauche. Faut juste penser... Non, faut juste penser... Oubliez tout l'aspect sexuel. C'est juste deux crânes décharnés qui se touchent. Il n'y a personne qui regarde. Ah non, c'est deux crânes. Deux crânes morts. Imaginez que vous êtes indéfendable. Merci beaucoup. Oh, la whiff! Continue, mon gros cochon. C'est pas ça que je dis nécessairement. Comment tu m'as appelé? Gros cochon! Non. Oh, ouais! Un bec! Oh! Je sais même pas je suis où, je suis qui, même. Fais pas un clip avec ça, je te poursuis. Non! Et je me masturbais avec elle. Qu'est-ce que tu dis là? Pour vrai, vous encouragez la pire affaire, mais je vous aime tellement. C'est ça que je lis. OK, avez-vous besoin d'un peu de contexte? Je sais plus où est-ce qu'on est. Sperme par la poste. Qu'est-ce qu'il fait, Cédric? C'est les pleins de bras. Je comprends rien. Hey, tu sais, c'est fou parce que l'humour au Québec, là, ça a commencé avec le bonheur d'Yvon Deschamps. Puis là, c'est sperme par la poste. Pensez-y. Ah, c'est pareil. Sperme par la poste. Vous êtes prêts? Par brique et braque. Parfait. Mais il met le punch dans le titre. Parfait. T'sais. Donc... Non, il y a un autre punch. OK, parfait. Je vais juste remonter une phrase plus haut. Ah ouais. Je découvrais l'orgasme des femmes, car je l'entendais bel et bien jouer dans le combiné. Et je... Excuse-moi. C'est la date? Ouais, c'est la date! C'est la fille qui a baisé avec les nazis, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi ton nom? C'est fin. Non, ben, peut pas. Non. Le piège était tellement tendu. Merci. Je vais le rajouter à ma collection. À vous. J'ai l'impression de collectionner les... Merci beaucoup. Les exoires. Sacrifice. On fait-tu de l'art? Mais c'est correct. Hey, l'odeur quand tu parles, là, c'était cœur. Hein? C'était cœur. Hein? C'est la faute. Pour vrai, mais c'est grâce à vous. Ferme ta gueule. Y a-tu des gens... Non, parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe, aïe. On t'écoute. Moi, je t'aime, Cédric. C'est Derek. Faut que tu parles dans le micro si tu parles. Oui, mais c'est ça. C'est parce que le deal, c'est qu'il faut pas que je prenne trop de place. Mais là, Steph, pour vrai, t'as rien bu. Je peux pas. À chauffe. Ouais, chauffe. À chauffe. De toute
façon, je bois seulement de la Molson canadienne. Ah, va donc péter de la broue. OK, vas-y. Je me suis aimé, mais je l'aime tellement. Je t'aime plus que je m'aime moins. Oui, oui. J'aimerais oui, tellement ça être toi, Thomas. On peut-tu être toi? On sait, oui, j'aimerais mieux être toi. Ben voyons donc. Hey. Santé, le Québec. Ah, je peux-tu en avoir un autre, moi aussi? Pour vrai. Il y en a-tu un autre qui traîne? Tous les gens qui font « Hey, j'ai entendu dire qu'il y a un podcast qui s'appelle « Couple ouvert » qui écoute yeah! Ça. OK, je vais aller un petit peu plus haut. Hey, là, ça finira jamais. Je me masturbais avec elle. Je me masturbais avec elle. De qui tu parles? Je me souviens même plus. Aussi. Comment est-ce qu'on t'est arrivé ici? C'était en Bixi ou... C'est le pire show. Je sais même plus c'est mon nom. Le pire show. Je sais plus mon nom. OK, non, attendez. Et je me masturbais avec elle. Et le but était de jouer en même temps au téléphone. Je jouissais fort avec la voix parce qu'il fallait qu'elle soit au courant que j'étais en train de jouer. Si bien que mon frère écoutait à la porte de ma chambre. Je l'ai vu, il écoutait. Et j'étais gêné de cela, j'espère. Mais c'était le prix à payer pour sortir avec une jolie fille de mon âge à distance. All right. Je n'avais pas beaucoup de succès avec les filles à l'époque. Ah, ça me touche. Et j'appréciais l'entendre jouir. Et parfois, je lui demandais de rentrer des mini-carottes dans son vagin. Quoi? Je vous ai dit que c'était bon! Attendez, il y a une parenthèse. Il y a une petite parenthèse. Aïe, aïe, donc. Vous savez, les petites carottes? Oui, on sait. Oui. Vous savez, petites carottes précoupées qui se vendent dans des sacs? Oui. Et elle le faisait. Qu'a dit, là? Tu sais, sérieux, on sait pas, là. Et ensuite, je lui demandais de lécher la carotte et elle le faisait aussi. Mon amour, quand je te dis de faire des choses sexuelles au téléphone... Des fois, je mentais. Ben là, Chris. Ben là, un moment donné. Moi, je faisais tout. Ah ouais? Oui, tout. Okay. All right. Tout. Ben, bravo. Merci. Tout. Prends une pause, là. Et ensuite, je lui demandais de lécher la carotte. Non, ça, je l'ai dit. Bref, plein d'expériences super cool pour un gars de 15 ans. Oui, ils l'ont dit tantôt qu'il était jeune. Oui, excusez, mais c'est parce qu'on a eu beaucoup de parenthèses. Je comprends. Et un jour, elle me dit, j'aimerais que tu m'envoies ton sperme par la poste. Chose dite, chose faite. C'est gratuit avec Post Canada, hein, je pense, pour le sperme. Il semble qu'ils ont fait un deal là-dessus. Oui, puis avec la SQDC, parce qu'il dit « J'ai éjaculé dans un petit baguise de weed. » Non! Ouais, que j'avais trouvé dans la chambre de mon frère. Et je l'ai mis avec ma lettre d'amour et j'ai... Une lettre scellé... d'amour! Oui, j'ai scellé ça. T'as okay. Scellé ça? Oui, attends. C'est qui parle dessus, toi? Moi, bon, je t'aime. Moi aussi, le je problème, tu lis encore avec ton doigt, lis avec ton doigt. Le problème, c'est que ma mère qui disposait mes enveloppes au bureau de poste, Ben là, vas-y toi-même. Donc le lendemain, en revenant de l'école, j'ai vu l'enveloppe dans laquelle il y avait du sperme sur mon lit. Ah, oh, ça je comprends. Ma mère ne l'avait pas posté parce que le petit sachet de sperme avait éclaté dans l'enveloppe et tout était souillé de sperme. Et sur ma table de chevet, j'ai retrouvé le petit baggy rempli de liquide transparent. Ma mère l'avait sûrement déposé là en ne sachant pas ce que c'était. Non, she knows. Tu penses? Ben, Chris, là, c'est une femme qui a eu des enfants, un mari. Tu penses que quand il y a du sperme qui éclate dans la main, elle fait genre « est-ce que c'est du pudding au riz? » Non, oui. Mais Steph... Mon fils voulait poster un once de pudding au riz.
Non, mais attends, Steph. C'est rare qu'on poste un pudding au riz, hein? Non, mais attends, Steph. À ma défense... À sa défense? Je dois dire que le sperme était très clair. Rest my case. Pas blanc. Donc, ma mère a sûrement cru qu'il s'agissait de salive, comme si je voulais frencher ma copine à distance. Mais non! Fiouf! Mais non, il a écrit fiouf! Non, non, elle est pas... Ta mère fiouf. Est niaiseuse, mais elle est pas conne. Ah, ouais. N'en demeure pas moins que le jour d'après, j'ai éjaculé dans un petit sachet et je l'ai envoyé moi-même et ça a marché. Bon! Vive le sperme! Elle a reçu... Vive le sperme! 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 Trois fois, c'est assez. Source de vie. Oui! Oui! Sans sperme, on n'a pas notre fille. Ouais, sans okay, sperme, oui. On n'a pas Cédric. Oui, sans surtout. Sperme, on n'a pas Chantal. C'est Derek. Chantal est faite de sperme. Oui! T'es pleine de sperme, Chantal. Au sens propre et figuré. From A to Z, c'est un gros sperme qu'on voit ce soir. Dans une chemise avec des lunettes. Poursuis, je t'en prie. Ça fait réfléchir? Oui. Elle a reçu le colis avec bonheur. Je suis pas sûr. Et on s'est masturbé au téléphone. Et comme elle allait jouer, elle a avalé le contenu du sachet. Oh non, non, non! Meilleure fille! Meilleure fille! Meilleure fille! Meilleure fille! Juste les gars qui crient, hein? Mais ça a pas séché un peu avec... Ouais, c'est ça, moi aussi. C'était-tu un biscuit sec, là? Hey, hey! La poste, c'est vite! La poste, c'est vite! Hey, une chance! J'ai dit... vite, la poste! J'ai dit... T'es sûr tu le manges déjà? Tu veux pas le garder en souvenir? Ben voyons donc! Comme si elle pouvait garder ça en souvenir, arc! Attends un peu, là. Un souvenir, là, t'es pas allé à Old Orchard, là, c'est du vieux sperme! En échange, elle m'a envoyé un bout de sa doudou. Ben non! Il faut se truc! Ben non! Ben non! Il faut se truc, ma chérie! Écoute, gars! Un bout de sa doudou! Je catch plus, là. Sur en laquelle... Ah non, ok, passant, ok, attends, ah, ouais, attends. C'est la moins pire des trois. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on est là-dessus. Oh, ouais, pas l'impression qu'on oui. est là 20 minutes. Non, mais attends, c'est un cauchemar éternel. C'était pas fini la phrase. En échange, elle m'a envoyé un bout de sa doudou sur laquelle elle avait frotté sa vulve. Et j'ai gardé ce petit bout de coton pendant longtemps. C'était très excitant. Oh! Mais évidemment, notre envie de baiser augmentait, alors elle a commencé à coucher avec des vrais gars, et moi, j'ai commencé à sortir avec une sourde. C'est la fin! Qu'est-ce que tu nous fais lire? T'as l'habitude, je suis tranquille à la maison, je lis mes Tintins. Moi, à soir, normalement, j'aurais fumé un bat puis j'aurais lu Koukoum. Puis là, oui, c'est ça, là. C'est quoi? J'aurais écouté une vieille émission de Sexy Cam, genre. Aïe, aïe, mon Lilo Date est pire. Hey, est pire. Est... C'est moi. Lilo Date, ah, attends. Ça finit ça de même? Oui. Ça s'appelle comment? Oh. Ah non, mais non. Mais non, je veux pas, là. Oh non. Ça s'appelle zoophilie, point d'interrogation. Point d'interrogation. Là, ça, c'est... Ça, c'est la suite. Bon, Thomas, il est content. Il pleure. Là, ça, c'est le même gars. C'est le même gars, c'est la suite, c'est ça? C'est le même gars! C'est le même gars! Ouais, attends. Si le bon Dieu avait pas voulu qu'on couche avec les animaux, ils auraient pas fait aussi beau. Ils sont beaux, hey! Avez-vous déjà vu une tarentule? Hey. C'est beau! Ça a plein de beaux petits poils. J'ai envie de faire l'amour. Bon, zoophilie, point d'interrogation. Très courte histoire. Zoophilie? Ça va être long. J'étais en Bretagne avec ma copine française. Dans sa famille,
Nous dormions dans la maison avec toute la famille, mais moi, ce soir-là, j'avais bu et je ne voulais pas dormir. Et comme nous n'étions pas libres et que nous ne baisions jamais depuis une semaine, bon, déjà là, nous ne baisions jamais depuis une semaine. Jamais! Jamais! Jamais j'ai baisé depuis la dernière seconde! Jamais! Ah non, OK, la phrase continue, là. Oh, Callis, nous ne baisions jamais depuis une semaine, virgule. J'avais les couilles pleines, comme qui dirait. Comme qui dirait, Chris? Je voulais me masturber le nez, et c'est normal. Ben oui. Tout le monde dormait. Il devait être 1h du matin. Je décide d'aller au fond du jardin. Oh mon Dieu. Jardin? Ben non. Oh oui, mais une grande cour de 100 mètres de profondeur, je dirais. Comment? 100 mètres! 100 mètres! Pendant la pandémie, c'était 2 mètres! 50 fois ça! Très long jardin. J'étais loin de la maison. Ben oui, Chris. Le point de fuite devait être incroyable. Je pouvais me satisfaire un peu et puis ensuite retrouver ma copine qui ne voulait pas baiser depuis une semaine. Ouais, elle voulait pas. Il y avait d'autres mondes. C'est une malade. Niaiseuse, bon. Je commence à me masturber et tout se passe bien. Ben oui. Même que je suis sur le bord de venir, mais un chien sort du buisson. 3 points d'exclamation. Ben c'est oui. Le chien familial! Ah, ce bon vieux chien familial. Il est un peu trop familial. Un espèce de gros machin. Je veux dire que le chien était gros. Ben voyons donc, c'était-tu Clifford, le gros chien rouge? Clifford, le gros chien rouge. Sébastien, le gros chien rouge. Dans une histoire sans fin. Oui, une histoire sans fin. Bon, le chien était gros, mais oui, son pit... Ah non, ben non, ben non. Ben oui. Lis-le. Ben oui. C'est criminel, Thomas. Pas grave. Hey, est-ce que c'est grave, c'est criminel? OK, tout le monde en prison, OK. Attends, là, faites attention, là. Bon, le chien, il était gros. Mais oui, son pénis aussi. Ben, non, oui, ben non. Maxime, ben oui, Maxime. Et il voulait lui aussi se faire plaisir, genre... Non. Arrête d'inventer, là, lis ce qui est écrit. J'invente pas. Ben non. Attends, ben je vais oui. Juste lire. Ben oui, en passant... Il m'a fou. La suivante est pire. Bon, il dit que son... Ah, tabarnak. Oh non, mais non. Bon, OK, il dit qu'il y avait... Il dit qu'il y avait un gros machin, OK? OK. Je veux dire, le chien était gros, mais oui, son pénis aussi, il voulait lui aussi ça faire plaisir, genre, il m'a fourré par derrière, si je peux dire. Ah! Ah, il a sauté dessus dans le dos? Ouais. Il dit, moi, j'étais sur le bord de venir. Jamais été aussi excité toute ma vie. Alors, je me foutais bien du chien qui me prenait par dernière et il zignait. Ah là, je suis plus bien, Thomas, là, pour vrai. Pourquoi Thomas? On est deux dans ce projet-là. Non, c'est surtout Thomas, là, on va se dire. C'est toi qui es choisi, hein? Ah non, ben non! C'était-tu Toby, le chien multisport? Je pense que c'est le chien multisport. Après tous les sports, il devient baiseur. Baiseur cueilleur. OK, attends un peu. La dernière phrase, là, elle est particulièrement bien tournée. Bon. Attention. Alors, je me foutais bien du chien qui me prenait par dernière et il zignait. Je me concentrais pour jouir et j'ai joui dans ma main. Très cool. Mais je ne m'étais pas rendu compte que le chien m'agrippait très fort avec ses griffes. Des fois, on s'en rend pas compte. C'est passé de bleu nuit à un tueur si proche. Il devait sentir mon énergie sexuelle. I guess. OK, c'est pour le I guess. Je m'étais pas non plus rendu compte qu'au loin, une lumière s'était allumée dans la maison.
Et de mon point de vue, c'était impossible qu'il me voie. À noter de mon point de vue. Mais finalement, si je croyais être dans le noir, j'étais peut-être pas si invisible que ça. Ce gars-là pensait qu'il était Harry Potter, aussi, avec la cape invisible. Je sais pas si quelqu'un m'a vu, mais peut-être. Mais le pire, c'est que le lendemain matin, j'avais de grosses griffures sur mon ventre. Oh non! Et ma copine me demandait, « C'est quoi ça? Tu t'es blessé? » Je disais, « Oh, je sais pas, c'est quoi? » Mais au déjeuner, le chien rôdait constamment autour de moi. Oh. Et il zignait dans mon cul en souvenir de la vieille. « Ah! Oh, quel malaise! » C'est ouais, incroyable. Ouais, ça se dit mal au déjeuner. Cédric! Cédric, veux-tu lire la plus malaisante? Ils viennent de se mettre de la peinture. Ah! Je peux lire la dernière si vous voulez. Ah ouais, vas-y. Ben elle est fucked up. Mais c'est vrai que ça se dit mal au déjeuner. Ton chien m'a baisé hier. Bon, non, mais là. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à entendre la pire date? Ma chérie, comment s'intitule la date? Ah, oh, tu veux que je dise le titre? Oui. Es-tu prête? Tante et inceste. Tante? Ouais. OK. Tante slash. C'est un E ou un A, là? C'est non, un... tante. C'est un A. Oui, non, tante. Non, tante. C'est un A? C'est un A. Attention, ça part. À part ça, le pire mot là-dedans, c'est pas tante, c'est inceste. Et ouais, excuse-moi. Oh. C'est quand même ma faute, je dois dire. Oh, je n'avais pas vu ma tante depuis des années. Je la trouvais très belle parce qu'elle portait une robe rouge. J'avais 20 ans et elle en avait 40. On l'appellera Marie. Bref, Marie avait quasiment l'âge que j'ai maintenant, donc j'avais raison de la trouver belle. Après une soirée arrosée au restaurant avec mon père, ma mère Marie et mon autre tante, qu'on appellera Lise, on est rentrés à la maison, chez nous, chez mes parents. Mon père est parti se coucher. Il restait ma mère et Lise qui discutaient en pyjama dans la cuisine en fumant des clopes et en buvant du vin. Moi, je veux danser, alors je vais dans le salon mettre un CD. Je choisis les Beatles. Ma tante Marie arrive derrière moi comme la chanson « All you need is love » commence. Je me dirige vers elle et je l'embrasse. Wow. Je le dis, c'est ma faute. Je voulais triper. Ah oui, j'ai oublié. Ma copine dort à l'étage, dans ma chambre. J'ai une copine, c'est vrai. Je l'avais oublié à ce moment-là. Et on s'embrasse, ma tante et moi. Et ma mère est très au courant. Elle me dit « Hey! » Hein? Ça, c'est le gars qui a baisé avec un chien, là. Elle me dit... Ah! Elle me dit... Ah, excusez, j'avais pas la bonne ligne. C'est vrai qu'il fait quelque chose. Oh non! Elle me dit... C'est le même que ça a commencé, le Blue Man Group. Wow. Wow. Wow! Qu'est-ce que c'est ça, cette famille-là? Elle me dit, « Hey, faites pas les cons! Faites pas les cons! » Donc, on s'embrasse en cachette. Et ma tante, elle se met en pyjama, elle s'en va dormir au sous-sol. Et là, je la suis. Et tout à coup, j'entends ma copine qui descend. « Allô, qu'est-ce que tu fais? » Je me dépêche de courir vers l'ordinateur. Je m'assois sur la chaise d'ordi et je fais semblant de me masturber devant l'écran. Ben non. Ma copine me dit « Tu te masturbes? » Je dis « Oui. » C'était moins pire que de lui avouer que ma tante m'avait embrassée. Hein? Je suis partie me coucher. Tout cela s'est su et mon père, le lendemain, était en tabarnak. 2 ans plus tard, j'avais une nouvelle copine et je vois ma tante encore dans la maison de mes parents. Elle est saoule, sur le bord de la cheminée. J'ai dit « Non, non, là, maintenant, je suis une bonne personne. J'ai une nouvelle copine que j'aime. » Cette copine était française. J'allais, 1 an plus tard, me masturber avec un chien dans le jardin familial. Ben comme quoi, rien n'est jamais parfait. Merci de m'avoir écouté, ça me fait du bien de pouvoir sortir toutes ces histoires. Je mettrai plein d'emojis, mais Thomas a dit avec colère lors d'un précédent podcast qu'il fallait retirer les emojis de nos courriels. Voilà. Ça, c'était le même gars, là. Trois fois le même gars. Trois fois le même gars. C'est ouais. ça? Thomas? Le même gars, ouais. C'est à toi qu'on parle, Thomas. Je suis sous le choc. Lui, il a dit, ce qu'il faut pas que je mette, c'est des emojis. Oui, le reste correct. Cédric, à qui tu t'offres ta toile? Cédric, à qui t'offres ta toile?
Mais pas de la peinture sur le micro. Pète-nous la tête. Lâche le micro. Lâche le micro. Si vous voulez la vérité, là. Ouais. Oh non. C'est que je suis tellement chaud. Oh non. Je suis comme dans une autre dimension. OK. OK. Laquelle? Fait que là, ce qui va arriver, là, c'est que je vais signer cette toile-là. Ouais. La personne qui est game de payer le plus cher. Mais là, non! Ben là, Thomas, là, tu me niaises, là. C'est pas juste... Merde. Sérieux, là. C'est pas du papier, là, ça, là. C'est quoi? C'est une toile. Oh, oui, mais c'est lui ça, qui c'est l'a acheté. Une toile, là. Hein? C'est lui qui a acheté le canevas. Pour vrai, là. Qui va payer quoi, là? Il veut, récolter, il veut récolter des fonds. La manière, ça marche, man? Ouais. Ça fait 3 ans que je suis bénévole, là. Ça, là. Oh, ferme ta gueule. À soir, non, on le rembourse. On va donner la toile. On donne la toile. On donne la toile. Ça, là, ça vaut non, ça vaut rien. Non, non, non. Il y a des gens qui sont prêts à payer. Celle-là, là. Non, j'adonne. Payez pas pour ça. Celle-là, j'adonne pas, j'avance. À qui? Comment? À celui ou à celle qui est game t'a payé le plus cher. Parfait. Le cap... On te rencontre dans la ruelle après le spectacle. Non, ici... sur scène! C'est pas ça, l'argent! C'est une prise d'otage, finalement. Regarde. Mais monte-là au moins, calice! Aidez-la à rembourser ses pantalons, il les a tous tachés, ici. On va faire croire au monde qu'il a fait un cover me rap pour ça? Est-ce que tu veux expliquer? Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi? C'est une œuvre. Oui. Ben oui. Que j'aurais tendance à dire... À la fois impressionniste et expressionniste. Oh, ferme ta gueule. Hey, ce sourire-là, là, je l'ai rarement vu pas mauve. Mettons, d'un premier point de vue, on peut voir la bataille des plaines d'Abraham. Oui. Ouais. Moi, je vois... Les rouges contre les bleus, hein, le Canadien contre les Nordiques. Oui, ben, c'est ça. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est intemporel. C'est soit la Nouvelle-France contre l'Angleterre, soit les Nordiques contre les Canadiens de Montréal. Ouais. Pareil. Ouais. On dirait un enfant de 5 ans qui vient jouer dans son caca. Regardez-y, il est mince. Mais subtilement... Payez pas pour ça, gang. Faites-vous pas avoir. C'est ça. Subtilement, en bleu, il y a Bric et Brac qui est écrit. C'est très beau, pour vrai. Mais il faut se concentrer pour voir Bric et Brac. Arrête de faire des calices de story. C'est écrit... Hey! La vie, c'est une story! Au travail, nous ça autres. Dure un c'est écrit Bric et Brac. C'est écrit Bric et Brac sur les plaines d'Abraham. C'est subtil. Ouais, rentre-nous pas là-dedans, tabarnak. Mesdames et messieurs, on applaudit Cédric et Bric non, et Brac. Non, on n'a pas fini, Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini, on le fait. Non, mais laissez-nous on le fait. C'est pas Jean-Marc Parent, non, là. On le fait. Est-ce qu'on. OK, on fait-tu l'idée fuck là qu'on voulait faire? On le fait-tu? Attends. On le fait! L'idée fuckée que tu voulais faire, là, c'est-tu juste toi qui se l'ai dit dans ta tête puis tu nous as pas averti? Non, le baptême! OK. OK, on le fait! Mon amour. Oui. Au fond, t'es souverainiste. Ben, je pense que j'ai plus le choix. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, à vivre un grand moment? S'il te plaît, Arnaud, ouvre les lumières. Qu'est-ce que tu as dit? Arnaud, ouvre les lumières. Ah, mon Dieu. Ah, ouvre les lumières! On va... Est-ce que... Voulez-vous rendre Steph souverainiste? Êtes-vous prêt? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Ouais. On l'a-tu? On l'a-tu? Il est là-bas. Ben, je sais pas, moi, c'est ton qui show. Qui tu pointes? C'est votre show. Il est là-bas! You? Il est où? Dans un sac! Dans un... Mais il n'y a personne qui réagit en arrière, Thomas, là. Oh, ah! Mon Dieu! Opa! Ouais! Campagne! Mesdames et messieurs, on aimerait... C'est une idée qu'on a eue, qu'on n'était pas souple, on est souple. Pas moi, par exemple, mais je suis prête pour la cause. OK. J'ai mis un T-shirt blanc, en plus. OK, mesdames et messieurs, on aimerait ça.
rendre Steph souverainiste. Il y a une manière de rendre Steph souverainiste. C'est la baptiser avec un produit québécois, le Pepsi. Oh, Pepsi. Et s'il te plaît, on va à ce jour rendre une femme souverainiste et la baptiser avec du Pepsi. Je le fais juste si on met « Pour some sugar on me » de Def Leppard. J'embarque! J'embarque! Est-ce que tu veux faire partie d'un pays indépendant? Oui, je le veux! Bye.